Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de regarder Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du Mag. Nous parlons aujourd'hui de technologie, de TIC, de télécommunications. Un secteur qui depuis ces dernières années connaît une croissance assez importante sur le continent. Il est, par exemple, entre 2002 et 2017, le taux de pénétration du mobile est passé de moins de 10% à 80%, avec dans la foulée de nouveaux types de consommation et aussi une nouvelle demande. On parle désormais de e-commerce, on parle de mobile money, on parle même de vidéo à la demande. Derrière ce nouveau concept se cache une nouvelle économie dite numérique. On s'interroge alors aujourd'hui, quel est le réel impact des TIC en Afrique? Quels sont les dividendes aussi bien pour les porteurs de projets que pour les États? Et surtout, quelles sont les perspectives? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé de la rédaction de Vox Africa. Nous sommes en Namibie en août 2016. Dans ce pays considéré comme l'un des plus pauvres du continent africain, Simon Petrus vient pourtant de faire une innovation qui pourra révolutionner la vie du milliard d'Africains. Il vient de laisser son empreinte sur la technologie moderne. À seulement 19 ans, le jeune garçon a inventé un téléphone sans fil, sans carte SIM et plus important encore, sans besoin de crédit de communication. The phone is just made out of unregistered SIM card. And a phone system, a radio system. Once you connect all those together, they form a non-creditable phone, as you can see it now here. In our village, there's no electricity, or as people in our village, sometimes they are like they don't have money to buy credit, so I have made this to help them in a way, like to communicate to their family within the country or abroad. Avec seulement quelques objets quelconques récupérés ça et là, Simon Petrus a pu réaliser cette merveille technologique. Des objets constitués de pièces de rechange de téléphones, de composants de téléviseurs, des ampoules, des carcasses de chargeurs et de téléphones. Coût de la production, $146, soit quelque 77 000 francs CFA. À quelque 3400 km d'ici, au Cameroun notamment, une autre innovation va celle-ci sauver la vie de millions de personnes souffrant de troubles cardiaques et qui ne parviennent pas à accéder à un cardiologue. Cette innovation, c'est le CardioPad. Une petite tablette médicale qui permet à des médecins de réaliser des électrocardiogrammes à distance. Du pain béni pour des millions de personnes évoluant en zone rurale qui n'ont pas accès à un cardiologue. Son inventeur, Artuzan, un jeune Camerounais. Je m'appelle Artuzan et je suis là pour représenter la société Highmore Medical, qui est une société de fabrication d'appareils médicaux localisée au Cameroun, à Yaoundé. Et donc notre produit que vous avez juste devant vous s'appelle le CardioPad. C'est un appareil médical destiné à réaliser les examens cardiaques dans les hôpitaux de district, c'est-à-dire dans les lieux où il n'y a pas de spécialistes en cardiologie. Donc nous sommes partis d'un problème simple qui se pose dans beaucoup de pays d'Afrique et qui se pose également donc dans les pays en voie de développement, qui a très peu de spécialistes en cardiologie en Afrique. Et donc les patients qui habitent en milieu rural sont très souvent obligés de se déplacer pour venir en ville effectuer leurs examens. Donc grâce à cet appareil donc appelé le CardioPad, on peut réaliser des examens cardiaques aux patients et également transmettre les résultats de ces examens cardiaques à travers le réseau téléphonique mobile, ce qui permet par ailleurs d'obtenir un diagnostic cardiaque et d'éviter donc aux patients de se déplacer à chaque fois qu'ils veulent effectuer un examen. Qu'il s'agisse du CardioPad ou du téléphone sans fil de Simon Petrus, toutes ces innovations ont un dénominateur commun, elles sont 100% made in Africa. Mieux, leurs promoteurs sont des produits 100% du système éducatif africain. Des détails peut-être, mais qui ont toute leur importance et révèlent que contrairement aux clichés répandus, l'Afrique est capable d'entreprendre, l'Afrique est capable de grandes choses. Et parmi les secteurs dans lesquels l'Afrique perce le mieux, figure en bonne place le secteur des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Chaque année,
l'Union internationale des télécommunications, l'IUT, Médiamétrie ou le e-commerçant Jumia publient des indicateurs globaux qui reflètent le niveau de progression et d'implémentation des différents pays dans le secteur. Des indicateurs qui consacrent à chaque fois la percée de l'Afrique dans le numérique. On ne peut pas toujours maintenir cette politique de dire que tous les bacheliers vont entrer à l'université et suivre ce qu'on appelle des cours présentiels, c'est-à-dire être en amphithéâtre devant un professeur. Les nouvelles technologies permettent de dérouler un enseignement tout à fait correct alors que l'étudiant n'est pas à l'université. Si l'on en croit une étude réalisée par Médiamétrie dans le second semestre 2016, l'un des faits marquants dans ce secteur, c'est l'explosion du taux de pénétration des smartphones en Afrique, devenu deuxième plus gros consommateur de smartphones au monde après l'Asie. En Côte d'Ivoire, dans la capitale économique Abidjan, la part des foyers équipés au moins d'un smartphone a été multipliée par plus de 5 en 3 ans, passant de 15,7% par foyer équipé en 2013 à 87,7% fin 2016. Au Sénégal, dans la ville de Grand Dakar, là où en 2013, le smartphone équipait moins d'un quart des foyers, soit 23,7%, derrière l'ordinateur portable présent dans 31% des foyers, ce sont aujourd'hui 82,2% de foyers qui sont équipés d'un smartphone, surpassant ainsi tous les autres équipements multimédia. Au Cameroun, la tendance est également positive avec une pénétration du mobile qui est passée de 80% à 90% entre 2016 et 2017, tel que le révèle la quatrième édition du Mobile Report Cameroun que vient de publier la filiale locale du e-commerçant Jumia. Il révèle également que le taux de pénétration d'Internet au Cameroun est passé de 11% à 21% entre 2015 et 2016 pour atteindre 25% en 2017. Comme le mobile, la progression de l'Internet est également satisfaisante à l'échelle africaine. D'après la section consacrée au digital du rapport mondial de développement 2016, publié le 13 janvier 2016, la Banque mondiale fait savoir qu'en 8 ans, la pénétration d'Internet a progressé de 9% en Afrique subsaharienne. Dans le même sillage, la Banque mondiale déplore l'absence du haut débit dans la plupart des pays du continent. Comme solution, elle propose de vulgariser l'accès à Internet pour le rendre universel. L'évolution des télécommunications, l'évolution de l'informatique, la convergence de l'informatique et des télécommunications, c'est ce qui nous a donné les technologies de l'information et des communications. Avec à l'appui l'arrivée du signal Internet, qui est véhiculé dans notre pays. On a connu d'abord le signal Internet à très bas débit, ensuite à haut débit, et maintenant nous l'avons à très haut débit grâce aux infrastructures à fibre optique. Et Congo Télécom a reçu du gouvernement la gestion de l'infrastructure à fibre optique qui a été construite à travers le projet de couverture nationale en télécommunications et TIC. Mais en attendant, les startups du digital en Afrique doivent composer avec cet état de fait aggravé par des coupures d'Internet sous forme de censure, comme cela a été le cas au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et dans bien d'autres pays africains, ce qui plombe leur activité. Mais en dépit de ces belles performances enregistrées, on peut se demander si le seul taux élevé de pénétration du téléphone mobile et de l'Internet, qui ne concerne d'ailleurs pas tous les pays, suffit à consacrer l'entrée de l'Afrique dans la société de l'information. Le téléphone mobile à lui tout seul et Internet suffiront-ils à développer ce continent? Et surtout, comment le taux de pénétration de cet objet technique, isolé de tous les autres secteurs, qui eux demeurent très bas, peut-il accomplir ce miracle? Merci à Joël Etuguet pour ce reportage. De retour donc sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec trois invités
Je vais commencer par vous, en chef d'entreprise, M. Nana Payon Ferdinand. Merci d'être venu pour votre certificat. Je m'en prie. Ensuite, j'irai avec vous, Olivier, également chef d'entreprise, mais je dirais plutôt cofondateur des studios Pyro Games, le premier studio de jeux de fantasy en Afrique. Bienvenue. Merci, et puis bon certificat. Et je finis avec vous, M. Kone Dowogona, excusez-moi. Vous êtes le directeur Cameroun du site de e-commerce Jumia. Merci d'avoir fait les déplacements pour le studio de Vogue Africa. Vous avez regardé avec nous cet élément. On parle aujourd'hui, donc, je le disais, de TIC, de télécom. Est-ce que, d'après vous, l'Afrique est réellement entrée dans ce secteur? Comment? Que l'Afrique rentre dans le pays. Moi, je trouve le poisson de la TIC. Plus on peut l'information disponible, qui crée, on va dire, un boom dans notre économie. On voit de plus en plus les innovations qui voient du jour. On a vu le cas du jeune Camerounais qui a été construit. Au Kenya, par exemple, on a des grosses innovations qui arrivent. Et je fait que de plus en plus les poissons deviennent disponibles. Ce que je veux dire, que maintenant, les jeunes, on va dire, les Africains, vont savoir le même niveau d'information que les Européens, les Européens. Ça me permet de plus en plus de développer différents secteurs. Aussi bien le secteur commercial, l'armée, tout le secteur. Je pense vraiment que c'est mon idée. Olivier, est-ce qu'on devrait s'en satisfaire? Non, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire, en termes, par exemple, de consommation de données, je crois que dans les villes, principalement, il y a une grosse avancée qui a été faite, comme l'expliquait M. Conné. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la place de la production, notamment. C'est-à-dire le fait que l'Afrique crée son contenu, maîtrise son contenu, et dans une certaine mesure, possède un peu sa technologie, mais je vais juste revenir là-dessus plus tard. Donc de ce côté-là, on a beaucoup de boulot à faire. L'Afrique anglophone est beaucoup plus avancée, où il y a des startups, des PME, TIC qui trouvent de plus en plus leur place avec des modèles viables. En Afrique francophone, on traîne, mais ça évolue aussi pas mal. Et pour finir quand même sur l'Afrique anglophone, et je vais dire par exemple un problème qu'on a un peu réalisé, c'est on se rend aussi compte que des entreprises TIC qui marchent ou qui arrivent à attirer des fonds, il y a un peu le problème du fait que le fondateur doit toujours finalement venir un peu de la Silicon Valley, donc le problème du white founder, comme on dit souvent. Et c'est quelque chose qui montre qu'on a un gros problème sur les ressources locales à les faire financer dans la grande équation africaine du monde. Monsieur Payan, je poursuis avec vous. Monsieur Madiba, Olivier, il parle d'importation, peu de développement des ressources humaines. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous, mais je voulais également parler de l'importation, mais de démontrer dans quel sens il obère considérablement notre balance commerciale extérieure. Quand vous évoquez la croissance exponentielle de smartphones en une dizaine d'années, quand on regarde bien, l'Afrique ne bénéficie pas de cette innovation, de cette croissance. Tous ces outils, ces produits sont importés. Ça veut dire que les devises que nous avons vont à l'extérieur pour acheter cette matière-là qui va certainement nous servir. Donc il faut inverser la tendance. Il faut faire en sorte, et ça c'est le rôle des pouvoirs, hein, il faut faire en sorte que des jeunes comme Simon Pécresse qui vient de Namibie. Bon, des jeunes comme ça, il faudrait peut-être pouvoir encourager ce qu'ils font. Ça ne va pas être facile parce que l'innovation dans ce domaine-là dépend surtout des majors. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui accepteraient de sorte un nouveau produit comme celui-là parce que ça va leur créer des partenaires incroyables, sans but, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que chaque fois qu'on investit un franc pour importer un produit, c'est un franc qui ne sert pas à notre développement. Donc il faut que chaque fois qu'il y a un investissement, il soit dans, de manière à enrichir notre continent. Mais évidemment, il faut passer par là, mais il ne faut pas perdre de vue. Je retourne avec vous, Monsieur Dowogona. Vous avez la chance, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui, vous publiez régulièrement des indicateurs, peut-être sur le Cameroun, mais aussi de manière un petit peu globale. J'ai envie de vous demander quel est l'état des lieux d'implémentation
de la société libre. Avant de prendre la question, je vais vous demander de aborder votre point par rapport à l'importation des devices. Par contre, je dirais aussi que cela concourt également à une atteinte de concurrence de marché. Pour les gens qui ont il y a 6 ans, le plus du marché coûtait 50 000. Le carbone coûte 27 000. C'est vrai que cette importation-là entraîne un mouvement extérieur. Mais d'ailleurs, en termes de bénéfices économiques, notamment, ça permet également de permettre aux gens favoris de pouvoir avoir des personnes abondantes. Franchement, c'est un bon point à apporter pour développer l'économie. Comme on parlait tout à l'heure, c'est vraiment un événement pour lequel tout est vraiment, et ça, c'est les attendants qui sont en train de faire comme ça. Également, pour arriver à développer le marché local, pour permettre aux gens de pouvoir avoir des personnes qui sont d'accord, revenons à votre question, on va dire. Oui, alors qu'on a publié dernièrement un white paper sur le e-commerce et les télécoms au Cameroun. Globalement, ce white paper est en retenue qu'on constate qu'au Cameroun, on a une population de 27% pour environ 6 millions de personnes qui sont connectés à Internet. La population des smartphones est encore beaucoup plus forte, mais passée de 80 à 90%. Il y a de plus en plus des gens qui ne sont pas au Cameroun. Cela est dû à quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, qu'il y a une population plus énorme. Mais également, au fait que, de plus en plus, les Camerounais sont tenus vers ce type de device, sont maintenant les pires. Impact réel sur l'économie, parce que de plus en plus, on peut faire évoluer des services, liés à la connectivité, dans notre économie. On a des applications structurelles, on a des startups qui vont se lancer sur des domaines qui étaient juste alors, on va dire, qui étaient à vie, à nous les amis. On a un vrai remous qui est assez marqué. En termes de vérité, l'adoption qu'on voit dans les chiffres, hein. L'adoption, on va dire, de Loi Money, par exemple, au Cameroun, on compte par jour en environ près de 56 transactions par jour au Cameroun en matière de Loi Money. C'est vrai que de plus en plus, on adopte ce type de. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, le ministre Bruno Conné a parlé de 17 milliards de francs CFA de transactions sur le Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun est dans la même ordre. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on va dire à horizon, on va dire à 2020, on fait un peu comme le premier avec un peu. On va permettre aussi. On va indépendamment de leur position, de pouvoir payer lui, de pouvoir payer leur communauté, de pouvoir vraiment bénéficier de tout. Mais monsieur Nana Payon, peut-être le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria font office de bons élèves, mais il faudrait peut-être aussi noter qu'il y a des graves disparités. Les résultats en termes de progression, de pénétration du mobile money, d'Internet ou encore même des services de communication, c'est peut-être élevé au Cameroun, au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire. Mais si on rentre dans des pays comme peut-être le Tchad, la République centrafricaine, la Somalie, les disparités sont énormes sur le continent. Oui, je crois qu'il y a une raison. La première, c'est le marché. Le marché camerounais est le cas pour le marché italien. Maintenant, s'il y a une logique d'agrandissement de l'espace de marché, notamment par la réduction de la sous-région, la SOMA, etc., on peut arriver à oublier le fait que la Centrafrique, qui est à quelques kilomètres derrière à tous, à la frontière de la dernière ville de l'Est du Cameroun, qui a menace et à la frontière de Ferry. Donc, on peut arriver, s'il y a une volonté politique, et surtout s'il y a une méthodologie, parce que nos dirigeants ne sont pas très habiles en matière de benchmark. Je veux dire que si, par exemple, on regardait comment a été construite l'Union européenne, hein, depuis le début, on pourrait calquer et adapter à notre environnement. Comment ça s'est construit et en termes de raisonnement à terme, comment où est-ce que nous voulons aller, quelles sont les différentes étapes que nous voulons franchir, parce que la simple dernière question de la grandeur du marché s'est toujours posée et restera l'une de nos faiblesses. On investira plus facilement au Nigeria où on a 150 millions de consommateurs qu'au Cameroun qui est à côté. Et puis, avec l'aide aussi du Naira, qui permet de flotter et de jouer avec la monnaie, parce qu'on a la possibilité de le faire. Mais je voudrais finir
répondre à votre question en évoquant un sujet qui est presque quotidien. Cette progression vertigineuse de consommation de mobile money, par exemple, risque de trouver une limite en raison de la cybercriminalité. C'est vrai qu'il y a des agences, on les sent de temps en temps, quand elles organisent quelques séminaires, je sais pas, ces séminaires sont faits pour aider les consommateurs ou les entreprises qui investissent énormément dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, il est difficile de ne pas avoir d'informations quotidiennes où on se rend compte qu'il y a des braqueurs, des cyberbraqueurs qui, voyant un développement dans ce secteur-là, se sont installés et en font tous les jours de l'argent. Et dans notre métier, on parle de dismarketing. Dismarketing au sens de discouraging market. C'est-à-dire que voilà une possibilité de développement extraordinaire. Il n'y a pas un oublier aujourd'hui qui te demande, qui vous demande pas d'être, de le payer par OM ou par Momo. Et voilà pourquoi. Orange Money, Orange Money ou MTN Mobile Money. En fait, vous parlez des services Mobile Money de tout à fait. Aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'on soit confronté à la peur des consommateurs qui n'oseraient pas utiliser cet excellent outil. Et donc, on peut se rendre compte que, par exemple, au Kenya, où le M-Pesa représente plus de 60% du plus, 70%. Voilà, aujourd'hui, 70% du plus est commercial. On devrait, et moi, vraiment, je voudrais attirer, je le dis parce que l'année dernière, en fait, l'année d'avant, on était à des universités consacrées essentiellement à la cybercriminalité en disant que c'est l'enjeu crucial du développement du numérique en Afrique. Mais je n'ai pas l'impression que les dirigeants en sont émus. Et c'est très important de savoir que cette nouvelle économie va être appuyée dessus. Et il faut absolument que ce ne sont pas les entreprises qui pensent pas tout ça. Ce sont les États, ce sont les dirigeants qui doivent veiller à ce que ces bandits n'aient plus pas de cité. Monsieur Madiba, avant de vous relancer peut-être sur la question de la cybercriminalité, Monsieur Nana a évoqué le fait que les pays africains ne calculeraient pas assez si bien les modèles de réussite ailleurs, ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe, en Asie, et même en Amérique, pour implémenter ici chez nous, mais peut-être les propres calculs. Ah, on est à la fin, justement. Est-ce que vous pensez que ce constat est peut-être marre? Alors, c'est vrai, je suis complètement d'accord sur le principe du benchmark, tropicaliser des solutions, évidemment en faisant, bon, je connais bien la pensée de Sinana que je suis beaucoup. L'idée n'était évidemment pas de refaire New York ici, mais d'inventer notre propre modèle de développement. Sur les TIC, par contre, en ce qui concerne le retard dans certains pays, le fait de ne pas faire de benchmark, c'est un axe, mais ce que moi je peux surtout noter, c'est des éléments un peu comme ce que j'appelle avec les gars au studio souvent, le karma du retard sur les infrastructures électroniques. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas du Cameroun. Pendant des années ici, alors qu'on aurait pu mettre le téléphone filaire à tout le monde, on sait que notre entreprise nationale s'est dit, ah, il n'y a pas le feu. Et subitement, voilà Internet qui arrive. Et là où partout en Europe, par contre, les gens construisaient Internet en utilisant l'infrastructure du téléphone, ceux qui arrivaient en Afrique ont dû littéralement perdre du temps pour inventer le système des antennes, le relais. Donc, c'est un peu ce genre d'éléments qui font qu'on accumule des petits retards, mais qui, après, on les paye cash. Un peu. Donc, pour moi, c'est le plus gros élément qui génère un peu la disparité. Et ça vient effectivement de ce problème de benchmark, le fait que c'est comme si on n'apprend pas. Du fait que le fait de ne pas anticiper nous revient toujours dans le visage. Monsieur Nana a également évoqué l'aspect de la cybercriminalité. Il pourrait peut-être freiner les élans et la progression des services numériques. Je crois, par exemple, en Côte d'Ivoire, le Pénin connaît une explosion avec une mauvaise étiquette, une mauvaise publicité, la passant pour le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez au sérieux cette menace? Je crois que la menace commence à s'appliquer de nous.
faudrait que la Côte d'Ivoire, peut-être que le gouvernement en place une cellule de cybercriminalité. L'homme de mérite peut-être n'a pas les moyens qu'il faut pour avoir de l'envergure européenne, pour pouvoir vraiment partir en ligne de data à veille. Au Cameroun, comment ça le fait? Avec ça met des gars pour éduquer les gens, peut-être qu'on prend un peu à la technologie qui existe. En fait, il y a même des opérateurs qui font des choses. Mais après, il faut qu'ils pensent que l'euro, c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Comme tout secteur, comme tout bulle, c'est aussi. Et donc, il y a même un peu de sa part de l'eau qui est un peu douce. On apprend mal. C'est plus en plus, c'est-à-dire, les grands acteurs du marché essaient de éduquer les gens. On est encore du retard, mais je pense que le temps, on pourra, on va dire, un peu plus à mitiger ce problème. Une réaction, monsieur Je pense qu'il y a eu des... Je ne sais pas si pour une fois ça avait été anticipé, mais je crois que la campagne d'identification, normalement, ça aurait dû être un garde-fou. Normalement. Puisque l'idée de nous avoir tous fait aligner, c'était pour que plus personne n'ait des numéros de téléphone sans qu'on sache qui est qui. Donc c'est vrai qu'on est un peu étonné souvent quand on est arnaqué, quand on subit une arnaque de mobile money, qu'on n'arrive pas à dire qui a ce numéro. Donc où est-ce que ces personnes prennent des numéros sans être identifiées? Vu que même moi, quand je veux encore acheter une puce, on me demande tout le temps la photo, la CNI, etc. Donc c'est... Monsieur, justement, il évoque des aspects, des avancées. Le processus d'identification des numéros, c'est pour rendre... Sauf si les télécoms gardent la base de données, la police pour le service de sécurité. Tout est vraiment au cœur même du problème. C'est très pertinent parce que, effectivement, moi, il m'est arrivé de me voir supprimer une puce que j'utilise en général quand j'organise des événements. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, je n'ai pas organisé d'événements, cette puce-là ne m'appartient plus. Donc, c'est très rigoureux. Comment expliquer donc que quelqu'un se fasse arnaquer par un individu qui a un numéro de téléphone et qui même répond parfois même à ce numéro de téléphone après? Je le dis parce qu'il y a 2 semaines, j'ai des collaborateurs qui se sont fait arnaquer. Et j'en suis un peu responsable parce que le monsieur s'était passé pour le sous-préfet d'un arrondissement de Douala et il m'a demandé de lui envoyer des gens. Ce que j'ai fait, je lui ai fait communiquer les numéros de ces personnes-là. Et pendant que cette personne venait à son bureau, il leur a demandé de s'arrêter dans une agence de transfert d'argent. Transfert de confiance. Pour lui envoyer de l'argent parce qu'il avait une urgence et il devait lui envoyer le chauffeur pour payer. Et beaucoup d'argent avait sorti de milliers. Et on utilise votre numéro. Et elle n'a pas d'argent. Elles n'ont pas d'argent sur elles. Elles arrivent quand même dans l'agence et font la transaction. Ce qui pose la question même de la formation et des process, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, vous venez demander de transférer moi 500 000 francs à tel numéro, on le fait sans vous demander au préalable de présenter votre argent. Et résultat de tout, c'est que le lendemain, quand on appelle la personne qui allait vous faire voir, etc. Donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un puisse répondre. Mm-hmm. Ça peut être la personne qui a identifié cette personne-là, c'est-à-dire qu'on peut être amené à porter plainte contre celui qui est censé avoir identifié un peu dans votre avion, il nous fait agresser dans l'avion, et on ne retrouve pas la personne qui est dans l'avion alors qu'on connaît les procédures pour que quelqu'un ait une carte d'embarquement. Il faut arriver à ça parce que sinon, ce système-là va fragiliser considérablement ce dont c'est le fonds de commerce. Et je pense que les médias, les services publics, les médias capitaux privés, peuvent jouer un rôle extraordinaire en mettant en place des sortes d'alertes pour que chacun explique comment il a été. Moi, j'ai reçu aujourd'hui un WhatsApp extraordinaire, c'est-à-dire que n'importe qui tomberait dans le panneau, mais parce que j'étais dans un groupe, j'ai reçu quelqu'un qui dit je suis l'opérateur X, on est en train de reformater des lignes. Éteignez votre téléphone pendant 2 heures. Ne l'ouvrez pas parce que vous risquez d'avoir des dommages. Ne l'ouvrez pas. Pendant ce temps-là, il appelle les numéros qui sont de votre répertoire et qui sont des gens proches. Et notamment, il a appelé le père et la mère d'un garçon en disant, je l'ai avec moi, il est kidnappé, envoyez-moi de l'argent. Donc, ça a pris 2 heures de temps. En attendant, les parents étaient en panique.
Lorsque ce jeune homme, par hasard, je ne sais pas pourquoi, il a ouvert son téléphone, il a vu qu'il avait reçu à peu près une trentaine de coups de fil en 30 minutes. Donc, vous voyez, des petites alertes comme celle-là, des micro-programmes, des capsules qui permettent au public d'être averti, peuvent être extraordinairement utiles, parce que malheureusement, on a beaucoup de génies chez nous, mais malheureusement, c'est du génie du mal. Monsieur Koné, j'ai envie de vous demander, est-ce que donc les gouvernements africains ne prennent pas assez pour faire ce type de... Je pense que oui, peut-être pas suffisamment comme il faudrait. Maintenant, après, je reste un peu sur la ligne du télépart et de visage. On éduque le public. Donc, ça a été vécu en Europe une dizaine d'années, même si Danemark, on appelait des collaborateurs. Je vois qu'il y a une semaine. Alors, peut-être évidemment, nous tenons une ligne. J'en le fais, on va dire concrètement. En Europe, on fait éduquer les gens de manière complètement. On nous appelait, on dit, OK, gardez le tout. On a fait la police, on dit, OK, pour jeune Afrique. On devait arriver à ce niveau-là avec le temps. Je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics prennent à bras de corps. Mais au-delà des pouvoirs publics, il y a, comme on a dit, les médias, les entreprises, il faudrait qu'on élite, qu'on communique de plus en plus. Je dis, moi, j'estime que lorsque j'ai un collaborateur qui me dit, j'ai aucun message, je viens de faire telle séquence, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis, on ne sait pas parce que, quand tu prends le détail de la séquence qu'on vient de faire, il y a une tempête dans tous les cas. Et vu que les gens n'ont pas encore l'éducation, n'ont pas encore l'aide, ils ne peuvent pas étudier, dire qu'on a fait une dièse de quoi à tel moment, il y a une tempête de faire. Ils le font. Donc, il faut de plus en plus les expliquer. Si on prend un peu le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'on est un peu plus, où il y a de grosses campagnes par rapport à ce genre d'activité dans les médias. Donc les gens savent maintenant qu'on leur a fait retenir qui dépend le code du transfert d'argent. Donc quand ils reçoivent un message disant, on voit quel élément ils savent. On a eu le cas de la fraude à l'Ivénie-Nigéria, où vous avez des mails qui ont gagné la loterie. Oui, le loterie en plus. Plus on commet des trucs, plus les gens prennent conscience de cela. Donc je pense que c'est un gros travail d'éducation à faire. On commence à le faire. On ne va pas assez vite par rapport à l'évolution des choses. Je pense qu'on va finir par y arriver. Olivier, une réaction? Bon, moi, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faudrait juste que les... Parce que je pense que l'identification est très informatisée. Donc, c'est pas comme si on demande aux télécoms des gros registres. Il s'agit juste de mettre, par exemple, cette base de données à la disposition des forces de sécurité et potentiellement de faire que toute personne qui a arnaqué peut signaler un numéro. Si le numéro... et signaler un certain nombre de fois, ça alerte les policiers qui peuvent du coup regarder dans la BD qui est cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne demandent pas forcément d'aller prendre un expert de la NASA pour venir le faire. C'est des petites... Il me semblerait que dans la procédure légale, vous êtes un arnaque au nom d'aller pour la police. C'est à la police de rapprocher l'opérateur et à l'opérateur de donner un peu de la garde. J'ai un peu vécu le cas en tant que la vente, qu'elle avait volé le téléphone, qu'elle avait acheté une boutique également avec une femme, elle a protégé. J'étais quand même de voir que, pas qu'elle était en rapidement, on a localisé le numéro de téléphone. On sait où la petite est, la petite est, on sait où elle est. On pense que c'est le procédure qui se fait. Peut-être que les gens n'ont pas l'information, peut-être que les procès sont encore très rodés, mais je pense que c'est le procès. Maintenant, après, on pose la question de la protection des données. C'est nos débats, à savoir est-ce que je dis également parlons dans les droits. Si c'est la police, je crois que ça. Si c'est les forces de. C'est ça que je n'ai pas dit au grand public. Monsieur Payou. Oui, justement, je dans le cadre de l'Université d'Afrique, nous avons un partenariat de 3 ans avec et j'ai eu toute idée de l'évolution du Big Data, de cette gestion massif des données, et effectivement aujourd'hui, on peut tracer quelqu'un dans les secondes qui suivent, on peut retrouver un téléphone immédiatement, on peut savoir où se trouve cette personne, on peut savoir qui a utilisé la puce, où était même cette personne au moment où il l'utilisait. Et je crois qu'il faut qu'on regarde un petit peu les procédures, il faut trouver un moyen, on ne va jamais mettre un terme à cela, mais il faut trouver un moyen, parce que quand même, beaucoup de gens se font arnaquer aujourd'hui. Il faut limiter la cible. Il faut absolument limiter. Une astuce, c'est de voir la personne qui perdra le plus. Mais si les opérateurs, eux qui sont orientés, gagner de l'argent, si ils perdent la confiance qu'ils ont mis presque 5 ans, 8 ans à construire, exactement. C'est eux qui perdent le plus. Donc peut-être c'est à eux d'être plus proactifs. Okay. On va évoluer avec
l'émergence de nouveaux services avec la société de l'information, je le disais en introduction. Aujourd'hui, on parle de mobile money, on l'évoquait, on parle de e-commerce. Le e-commerce, justement, monsieur Koné, cela semble avoir connu une progression assez, je dirais, anormalement rapide sur le continent africain au cours des 5 et 10 dernières années. J'ai envie de vous demander quelle année est-ce que c'est. Non, je dirais une pour être intéressante. On a encore beaucoup à faire. On est plus économique là. À 10% de couverture, plus potentiellement. On a encore beaucoup de choses à faire. 10%, Michel, là. Allez, on peut le modifier, pas à thème local, mais globalement, en fait, à ce genre de grandeur là. J'ai vu et j'ai trouvé qu'on a encore beaucoup à faire, notamment au Cameroun. Surtout au Cameroun, qui est le pays là. De plus en plus, on s'est rendu compte ces années que, au départ, on a fait un gros travail de l'économie. Pour les Africains découvrir l'économie avec tout ce qui est problématique de l'arnaque, au départ, les études économiques étaient faites maintenant pendant les premiers années. Ensuite, on a dû adapter le modèle. Je reviens un peu sur le départ. On a dû adapter les modèles européens. Minimum, on a eu à faire rapidement. Comment se faire? C'est dans le modèle de e-commerce, on a un artisan ou un commerçant qui vend une plateforme. En général, en Europe, les gens payent par adapter au panneau commercial. En Afrique, on s'est rendu compte que c'est naturellement, à essence, on est dans notre pays, voir le produit, le vérifier, le toucher, comme le tomate. On peut dire ça, plus ou moins. Donc, on a dû adapter le modèle à l'Afrique. On s'est dit, OK, on va mettre en place le système du paiement à livraison. Donc, du coup, on s'est dit, à chaque fois, je ne sais pas, une personne qui paye en ligne, maintenant, on peut expliquer, elle commande en ligne, le système de protection qui met en place, on appelle pour vérifier la banque. On confine la commande, on confine la date de livraison. Lorsqu'on livre le produit, elle prend en déposition du produit, elle détruit le produit, et elle paye. Elle paye, justement, elle paye cash à la personne ou elle paye en ligne? Non, elle paye pas journaliste. Non, elle paye. Non, en termes de paiement, il y a du compte de paiement. Le paiement, cash à la livraison. Le paiement, je vais vous prendre 30% de notre paiement. On a un paiement en ligne, il y a là, le paiement par mobile en ligne. On va bientôt mettre en place le paiement par bon voilà, donc on a, pour venir au débat, on a essayé d'adapter le modèle à l'art. Ce qui a permis de plus en plus à développer cette plateforme. Maintenant, l'espoir du commerce en ligne est une force, c'est le fait que, en réalité, on permet à des commerçants, par exemple, des commerçants de ne voir plus et de ne pas faire des parties de l'outil, ils vont en ligne et qu'ils vont à une zone nationale. Évidemment, ils vont en ligne, ils vont voir, c'est un grand délire, un gros. Donc, ça permet également de développer des petites économies. Maintenant, c'est compliqué. Comme j'ai dit un peu, on va dire, challenger le marché, et on va le faire avec cette écosystème d'action qui est menée, avec également le concours, on va dire, des médias, des opérateurs, de permettre, peut-être, on va dire, cette histoire d'une commune. Je vais peut-être vous garder la parole. En 2000, Johnny a Cameroun de pas été ce 5 en 2017. Quelle était la situation de taux de pénétration du commerce en 2000? Ça fait quoi, 2000? Oui, l'année dernière, on a fait. Donc, tout le monde, chaque année, on fait des années. On essaie de prendre ça, donc ils ont envie d'être content chaque année de marcher de tout et de se revu du fait que. On se dit qu'on n'est pas bon. On est revu. En 2017, on était encore une coordination internet dans le genre de 20% à 10%. On avait 5% cette année. Disons, l'année dernière, on avait 5%. Ça veut dire qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'on a des chiens, on va dire, à 20%. Par exemple, la télévision, la internet, on plébiscite de plus en plus les efforts du gouvernement. Notamment, on a une hôtel qui a lancé une boîte initiative qui va permettre de produire depuis la bande passante de en 2015 à 2018. Ça veut dire que bientôt, on va pouvoir sentir cet effort-là au niveau des clients. Ça veut dire que maintenant, les gens auront le produit internet. Donc, oui, il y a eu un gros changement entre ces 30 années et une évolution. Dû à beaucoup de facteurs, mais qui permet de plus en plus développer nos activités. Monsieur Payon, on évoque une progression de pratiquement 5% sur les contacts sur les revenus juridiques du commerce. Comment est-ce que vous appréciez ce progrès? Comme il a dit, ça peut être mieux, mais il y a pas mal. Compte tenu de ce que les psychologues appellent le style de nous avons nos habitudes et nos habitudes. Et normalement, les gens, ils préfèrent voir le produit avant de le payer. Mais j'ai envie de demander, mais quel est le taux de loyauté de ces clients-là? Est-ce qu'il n'y en a pas un certain nombre qui, lorsqu'ils ont reçu le produit, cherchent quand même
le bouton à 5 pattes pour envoyer la marchandise. Bizarrement non. Ah, bizarrement non. De plus en plus, on a des clients qui reviennent de plus en plus. Ils commandent une fois, ils vérifient, ça marche, et recommandent le temps. Et on a un taux d'immigration qui commence à se faire, les clients qui ont la livraison, on se sent payer ça. Comme normalement. Mais bon, en ligne, ça se fait lentement. Ouais. Pas, aujourd'hui, le constat, c'est que pour l'instant, tout simplement pas. On est très attentif au paiement de la livraison. Ici, pour moi, c'est un modèle en Guinée-Afrique. On adapte dans plusieurs pays, Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, en Égypte. Et qui marche très bien. Donc, moi, c'est une crainte. Au départ, on se dit, est-ce que culturellement les gens vont pas juste commander, annuler? Oui, il y a un pourcentage de comment ils font les raisons de culture dans la majorité. Et qu'est-ce qui explique alors que certains soient morts au bout d'un an pour des... Après, je dirais que pour moi, c'est beaucoup plus de l'adaptation. Chacun son modèle, son business model. Il y a un modèle qui est très adapté au marché. On a eu adapté énormément d'événements à la société. On n'a pas du Black Friday. En fin d'année, il y a un événement qui est plus financier. En fin d'année, c'est la grande braderie. On peut acheter un instrument pour l'année. Justement, on peut. Par exemple. On évoque justement les entraves. Vous avez évoqué les entraves qui parlent de e-commerce par Internet. Or, malheureusement, dans le contexte africain, les censures sont plutôt fréquentes. Le Cameroun en a connu, le Gabon. Également, on a connu le Togo, la République centrafricaine et même la République démocratique du Congo tout récemment lors des élections. Lors des troubles, d'après vous, la censure Internet, Olivier Madiba, est-ce que c'est une nécessité ou c'est un impératif? Non, j'ai eu un sourire en pensant à les amis sur Twitter. Ils vont regarder cette question avec beaucoup d'attention. Alors, disons qu'on a une censure africaine qui est très politique, déjà. Parce que la censure, par exemple, en Chine, elle est même idéologique. Ils ne veulent même pas que vous regardiez du contenu. C'est un problème de contenu. C'est-à-dire, ils veulent même pas que vous regardiez du contenu américain, etc. Nous, en général, elle arrive lorsque les gouvernants ne veulent pas une certaine transparence dans une certaine zone, pour certaines raisons. Alors, est-ce qu'elle est nécessaire? Personnellement, je ne la soutiens pas. Du tout. C'est-à-dire en tant que citoyen d'affaires et par solidarité pour ce que, par exemple, nos confrères de start-upers de Boyon ont vécu et continuent de vivre parce que c'était un des bourgeons tech que le Cameroun a perdu et peut-être en train de perdre. C'est quelque chose qu'on ne soutient pas. Maintenant, on a souvent des décisions, des discussions en se disant est-ce que si on était homme d'État, vu les risques de dérapage pour finir à la Libye, par exemple, avec ce que ça parle comme des informations et autres. Est-ce que c'est des décisions qu'on ne prendrait pas? J'avoue ne pas avoir de réponse figée là-dessus, mais j'estime que ça devrait être extrêmement limité comme moyen et surtout si même ça doit être pris pour des raisons politiques de soi-disant sécurité nationale, c'est toujours ce qu'on évoque, il faudrait mettre en place des palliatifs pour que l'écosystème économique qui en dépend ne souffre pas. C'est-à-dire, d'accord, vous voulez pas que des rebelles puissent communiquer sur de façon, on va dire, pour déranger la sécurité nationale, on est d'accord. Mais assurez-vous peut-être de fournir Internet dans les lieux où les startups sont pas souvent très éloignées pour qu'elles au moins n'en pâtissent pas. Ça ne coûtait rien, par exemple. Et ça aurait montré une forme de bonne foi. Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle l'expérience client. On peut considérer que les startups sont des clients de la douane camerounaise. Moi, je pense que même africain, j'ai fait un séjour à Boya pendant l'année dernière, plusieurs séjours à Boya, et effectivement, je suis pas peur, je me mets vraiment à la place de ces jeunes, parce que dans toutes les conversations que j'ai eues avec ces start-upers, je leur posais toujours une question, qu'est-ce que vous avez parlé de moi? Vous avez parlé de vous? Non? Et dans ce qu'ils m'ont proposé, c'est que quand on nous coupe Internet, nous sommes obligés de prendre la route pour aller à Douala. Dormir à l'hôtel à Douala. C'est pour ceux qui ont un peu de moyens ou de la famille à Douala. Ou bien nous sommes obligés de partir de Boya la nuit pour aller envoyer nos données. Dès qu'on arrive à Bekoko, on a accès à Internet. Donc, mais vraiment, vous voyez le climat. Quand nous sommes habitués à Récif, quand on va à Douala, on revient ici. Ces changements thermiques là ne sont pas bons pour nous. Et donc, moi, comme je dis au lieu de là,
va nous coûter absolument rien. Et pour qu'on le fasse, il aurait fallu aller les écouter. Et en marketing, on dit communiquer, c'est écouter et faire des propositions d'ajustement. Nous avons besoin d'intervenir, nous ne sommes pas des rebelles, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, notre client est à Singapour, il est à Cape Town, il est à Washington. Nous avons besoin d'intervenir. Tant que nous n'avons pas l'intervenir, c'est un peu comme si le corps n'avait pas de temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Assurez-vous que dans un endroit circonscrit, nous ne serons pas obligés de partir de Boya. Voilà où vous devez la faire. C'est la moindre chose. Mettez-nous à un endroit où nous pourrons avoir Internet. Et effectivement, ils ne sont pas Boya, ce n'est pas Douala ou Yaoundé. Et on peut très bien circonscrire l'accès Internet. Et même si on pense que dans certains appartements, on peut avoir des rebelles cachés, discuter et les amener dans un camp ou dans une entreprise et leur dire voilà, vous avez accès à Internet, vous pouvez venir travailler et on peut même encore mieux les contrôler dans ce cas-là. Mais ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est une erreur. Il y a la sécurité, effectivement, nationale, qui est au-dessus de tout. Mais cette sécurité-là ne veut pas dire qu'on va empêcher les jeunes de se développer. Il y en a qui ont fait faillite. Il y en a beaucoup qui sont partis du Cameroun. Alors, ils n'avaient pas ça dans leur projet. Et je crois que si jamais ils ont des situations qui se refusaient, ils seraient bien. Je pense que ça soit dévalorisant pour qui que ce soit d'aller les rencontrer, de les convoquer, de discuter avec eux et de dire ok, vous allez faire les autodéfenses entre vous, faites-nous des propositions pour qu'on voit comment on peut vous aider tout en restant dans notre logique de garder. Je vous propose peut-être de marquer une petite pause, juste le temps d'une transition pour aborder la deuxième thématique de ce soir et on parlera de l'entrepreneuriat en matière de PIGS. De retour donc sur ce plateau, nous entamons la deuxième thématique de ce soir, l'entrepreneuriat en matière de PIGS. Je vais commencer avec vous, Monsieur Koné de Wobonan. Est-ce qu'on peut dire, au vu des performances des autres continents, je parle notamment de l'Asie, je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique, que l'Afrique aujourd'hui innove assez? Innove, oui, clairement. L'égalité, innovation, on le trouve la phase, se bat chaque jour pour aller de l'avant, créer de la valeur, pour donner des idées nouvelles. Assez, je dirais, non. Je pense qu'on a une vraie passion de création de notre continent. Il y a encore plus d'exploitants. On parlait tout à l'heure de la Silicon Valley à Boya. On a des très bons créateurs, on va dire, Kenya également. Donc, aujourd'hui, avec l'essor, on va dire, d'Internet des pays, on va de plus en plus être considéré comme un acteur qui innove et qui innove vraiment sur le marché. Je vais prendre un cas assez intéressant. On va dire l'Africain de base à la thématique pour rentrer. C'est une petite thématique, nous montrons des statistiques. Donc, le paradigme, c'est que, peut-être, nativement, qu'on a des problématiques de vie quotidienne, on est assez content à innover encore plus, encore plus grandement. D'où le fait que je mets des guillemets au niveau du notre assez. Je sais que, vu des problématiques qu'on doit résoudre aujourd'hui, on a encore une grande marge de manœuvre, on va dire, à conduire. Je vais juste dire, avec ça, je pense que ça comme Camerounais, ça fait 10 montées, c'est pas en fait. Gibson Mond. Ça fait une expression qui informe les femmes. Oui, Gibson Mond. Qui informe les dames, c'est que elles ont des rendez-vous spéciales. Par exemple, moi, l'innovation, je reprends un besoin qu'on a au quotidien. Je pense que de plus en plus, on va avoir émerger des idées, des start-up, qui vont venir de son premier diplomatique pour nos quotidiens. Et qui vont mettre vraiment nous mettre sur le côté de l'innovation. Monsieur Payan, la techno n'était pas assez. Pas à cause des innovateurs ou des acteurs. Et ils sont pas exigeants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec eux. Le jeune homme, un start-upper qui est à l'OMI et qui a obtenu un rendez-vous, par exemple, à Yaoundé, pour venir faire une innovation. Aujourd'hui à 16h, et que pour des raisons indépendantes de la volonté, soit du ministre ou du DG, il est dit vraiment est-ce qu'on peut remettre ça à demain. Parce que ça porte qu'il n'y a personne qui peut habiter à Yaoundé, qui n'a pas d'argent pour habiter.
faut attendre le lendemain. Et il viendra le lendemain, pas forcément prêt, pas forcément en forme, il ne va pas vendre son truc, il a beau avoir son PowerPoint avec tout le tremblement, il ne saura pas le faire. C'est-à-dire que, mais ils ont besoin d'un minimum dans le cas de fondamentage, quoi. Mais fondamentage, ça ne veut pas dire qu'on leur sorte de l'argent. Fondamentage, c'est qu'on leur trouve une possibilité, on leur donne un crédit de. Allez, on vous donne 10 unités toute l'année. Vous la consommez comme vous voulez. On vous donne 10 trajets Lomier Yaoundé. Des minutes de publicité. Des minutes par de publicité exemple. Internet. Je connais une dame qui a eu mis en place une application qui était parmi les startups que nous avions été lors de notre saga en Europe. Allô maman travail. Eh bien, cette jeune dame est arrivée avec 2 heures de retard. Ma femme l'attendait. Elle était une des rares qui était en retard parce qu'elle a couru dans une entreprise. Pour obtenir une connexion viable pour pouvoir faire ses démonstrations pendant les 3 jours de la saga. Voyez-vous, si elle avait tant de moyens que ça, et franchement, on peut aider ces jeunes-là. Voyez-vous, mais quand vous regardez le nombre de 4-9, vous savez ce que je veux dire, le nombre de 4-9 qu'on distribue aux copains, aux amis, aux gens qu'on veut impressionner, on se dit, mais est-ce que si dans ma conscience, ordonnateur de mon état, je divisais ces 4-9 par 100 ou par 1000, est-ce que j'imagine le nombre d'heureux que je ferais, pas forcément autour de moi, c'est-à-dire que cette dame qui a à le moment travail, si son application fonctionne, c'est peut-être ma fille qui va aller pour son premier entretien d'embauche et qui a son bébé, c'est elle qui va profiter de cette application parce qu'elle trouvera une nounou immédiatement en une heure parce qu'elle a cette application. Donc, pour que, je parlais tout à l'heure de la culture, nous avons un sérieux problème de culture dans notre pays qui fait que on ne veut pas aider les autres. Parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai peur que demain, si je l'aide, je ne vais plus être au-dessus de lui. Mais on n'a pas, c'est pas dans notre mentalité d'aider. Moi, si on ne m'avait pas aidé, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Mais il y a eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont dit, tiens, je vais prendre votre temps. Il y a des sponsors qui m'ont aidé, je ne vais pas les citer pour ne pas vous faire taper dessus par votre service commercial. Lorsque j'ai lancé la bourse du livre, j'étais presque à la rue. J'étais presque à la rue. J'avais 18 000 francs CFA dans ma poche. J'ai lancé la bourse du livre. Mais vous allez faire rêver un jeune aujourd'hui, alors que lorsqu'il frappe à la porte, on le regarde pour dire, bon, tu donnes combien? Et ça, c'est le vrai problème. Donc, les jeunes innovent. On est dans un pays empêtré de talents, mais il faut maintenant qu'on pense à ces cadets sociaux et qu'on se dise qu'on a été comme eux et ils ont besoin juste même pas qu'on leur donne des choses. Ils ont besoin d'un regard. Un regard qui leur dit, ah mais c'est bien, il faut continuer. Malheureusement, je ne suis pas sûr que cette équipe obtienne tous les jours. En tout cas, de mon observation et de la discussion que j'ai avec eux. Je vais me tourner vers vous maintenant, M. Madiba Oligui. Aujourd'hui, vous êtes présenté comme étant un modèle de réussite. Vous êtes affiché, on le dirait comme ça, par le gouvernement camerounais. Vous êtes présenté à l'échelle africaine comme étant ce jeune africain qui croit en l'Afrique et qui réussit à réaliser. Vous avez, de par votre endurance, réussi à créer les studios de Pérodien, c'est-à-dire le jeu Orion, l'héritage des Pérodiens, le premier jeu de rôle de fantasy africain. Je vais vous demander, est-ce que les choses ont été assez facile, est-ce que cela peut être? Bon, déjà, c'est un travail d'une équipe entière. Souvent, on présente le jeu maintenant, mais c'est vraiment que j'ai eu, de ce côté, j'ai eu beaucoup de chance de croiser les bonnes personnes pour fonder l'équipe qu'on a au fur et à mesure du temps. Maintenant, concernant le chemin, réussite, bon, je vais prendre modestement en me disant, on a quand même sorti ce jeu-là, mais je pense, et maintenant j'ai compris, que la réussite, c'est vraiment un chemin. Donc, on n'est pas arrivé à un état... Il faudrait justement que quelque part, en tant qu'Africain, c'est un des gros changements qu'on aimerait vraiment opérer auprès de nos pères. C'est qu'on doit arrêter d'avoir cette quête de la terre promise. Enfin, si vous voyez un peu ce truc de l'esclave d'Égypte qui se dit qu'il va arriver d'un endroit où les problèmes vont s'arrêter. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est un processus. C'est-à-dire, dès que vous sortez Orion, vous trouvez de nouveaux problèmes.
vous y faites face, vous trouvez encore de nouveaux problèmes, etc. Est-ce que vous avez été accompagné dans vos... Alors, de ce côté, en termes d'accompagnement, oui, comme a dit monsieur, personne n'arrive où il est seul. On nous a aidés. Par exemple, en 2013, alors qu'il ne me connaît pas, j'écris à monsieur Roland Kouemen pour lui décrire en un email la folie qu'on veut faire. J'ai créé un studio de jeux vidéo avec de la culture africaine, etc. J'ai été recommandé par le fondateur de Colorix qui lui-même m'avait rencontré une seule fois. Et là, M. Kouemen prend toute sa notoriété, toute sa crédibilité, et il m'obtient une audience avec Madame la ministre des Arts de la Culture de l'époque. Et comme a dit M. Napoléon, il ne m'a pas donné d'argent, mais il m'a dit, il a construit une crédibilité, il a vu mon mail, il a dit ça, c'est quelqu'un de structuré, je lui permets d'arriver à discuter avec cette dame. Et quand on arrive dans le bureau de Madame la ministre, quand elle nous dit, il ne m'envoie pas beaucoup de gens, vous êtes la deuxième personne qui m'envoie, donc ça veut dire qu'il vous connaît très bien. Hein. J'ai la sueur en me disant, wow, le monsieur même ne m'a pas vu. Donc, c'est le genre de soutien qu'on a beaucoup eu. C'est-à-dire des gens qui sont cohérents, qui apparemment reconnaissent en vous le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et c'est là où on revient vraiment sur l'importance de la confiance. C'est-à-dire quand on crée une chaîne de confiance comme ça, et qu'on se sent redevable, parce que nous, aujourd'hui, on essaye de rendre ça avec d'autres jeunes qu'on essaye d'encadrer. Les pouvoirs publics qui sont censés accompagner les jeunes porteurs de projets, est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez reçu un accompagnement que je qualifierais d'adéquat? Alors, adéquat, oui et non. Je m'explique. C'est vrai qu'avant d'aller au IALI, j'avais une tendance à me dire que le gouvernement devait beaucoup plus nous soutenir, vu tout ce qu'on a fait. Et dans une certaine mesure, on ne le refuserait pas. Mais aujourd'hui, on essaye d'aborder les choses avec le moins de dépendance de ça possible. Parce que quelque part, ça fausse les cartes d'attendre quelque chose d'eux. Si je peux dire ça, ça rend même paresseux sur tout ce qu'on a comme autre possibilité à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme soutien? C'est-à-dire, on a eu un soutien pour notre conférence en 2013 où le ministère des Arts et de la Culture a sponsorisé la conférence, on annonçait le projet. Bon, ils étaient censés aussi accompagner le projet, mais évidemment, ce n'est pas évident. Donc, on a dû se débrouiller. Et aussi, quand on a décidé de lancer, par exemple, le programme Ubuntu, où on transmet... Le programme Ubuntu, je précise que c'est un programme de mentoring qui vise à aider les jeunes porteurs de projets à pouvoir implémenter leur projet. Oui, c'est-à-dire, la façon dont nous, on a levé les fonds, on a inventé notre méthode de levée de fonds, et beaucoup de jeunes nous disent, bon, vous avez fait comment? Donc, on a créé un programme où ils doivent juste investir 10 000 francs symboliquement sur eux-mêmes pour avoir accès à toute notre méthodologie, non seulement de comment ils lèvent l'argent, mais surtout comment est-ce qu'ils gèrent un projet comme nous on l'a fait. Et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, on va voir les ministères en disant, bon, on est quand même terreau, games, on a prouvé. Si on arrive à générer 100 personnes comme nous, qui arrivent à lever 100 millions pour des projets sérieux sur le Cameroun, on fait quand même rentrer quoi dans les 1 milliard, je pense, 1 milliard, on ne sait pas, non, 100-300 millions. Mais alors on se dit, si on a fait ce chemin, on est quand même crédible pour dire qu'on peut y amener d'autres. Et on demandait justement au gouvernement et d'autres forces économiques de juste pousser ça pour qu'on génère 100 clones de nous-mêmes. Il n'y a pas eu de soutien à ce moment-là et c'est là où on se dit, ok, on a nos petits sous, on va lancer un programme en ligne. Parce qu'à l'origine, on voulait faire des séries de conférences pour transmettre. Les gens repartaient avec les documents et tout. Non, on n'a pas de soutien à ce moment-là. Après, les gens se disent même, ce que vous voulez faire là n'est pas possible. On n'a jamais vu ça, ce n'est pas possible. À ce moment, on ne se décourage pas. On fait avec ce qu'on a et on lance en fait le mentoring directement en mode en ligne, en mode en ligne. Et c'est parce qu'on le fait que finalement, une impostrice se dit, mais attends, il ne blague pas ces gars-là. Venez un peu. Et là, elle dit, ok, tout ce que je peux faire, c'est que 2000 jeunes qui ont des projets TIC, je peux payer l'inscription pour eux. C'est tout. Donc, c'est aussi pour montrer que le soutien de l'État, il y a des personnes positives et constructives, sinon on serait dans le chaos. Et ces personnes-là ont besoin que vous fassiez vos preuves. Et quand cela, ça ne passe pas pour la première fois, essayez encore, mais évitez aussi de trop compter uniquement sur eux comme unique. Voilà. Merci Olivier d'avoir partagé cette expérience avec nous. Je me retourne vers vous, monsieur Payon. Est-ce que aujourd'hui vous estimez que les gouvernements africains prennent conscience même des compétences qu'ils ont au sein de leur population? Un peu. Mais ils devraient faire... on devrait multiplier les campagnes pour dénicher les talents. On devrait
normalement, ça ne coûte pas cher. Hein. On devrait les regrouper très souvent parce qu'il peut en sortir des choses. D'abord, il peut en sortir des choses qu'on ne connaît pas. Deuxièmement, ce n'est que comme ça qu'on peut les former. Parce que lorsque un jeune vient faire un pitch aujourd'hui devant les gens, demain, quand vous le faites venir à New York, ce ne sera pas la première fois qu'il fasse un pitch. Ça veut dire qu'il s'est entraîné. Vous avez investi dans quelqu'un pour qu'il s'entraîne. Vous avez peut-être découvert qu'il a quelque chose qui peut intéresser d'autres jeunes. Et s'il est bon, il va servir de modèle aux autres jeunes. S'il va au Kenya, s'il va en Côte d'Ivoire ou à Singapour faire une présentation, il sera plus dans la première occasion de faire une présentation. Et puis, on peut les former. Et moi, je crois que on ne peut pas non plus penser que les gouvernants ne font rien. Parfois, il y a des différences. Parce que c'est quand même un secteur absolument nouveau. Et les gouvernants, la moyenne d'âge, sont des gens, c'est rare de trouver un ministre, ils ne sont pas nombreux, ils sont plus jeunes que moi, par exemple. Or, moi, je suis déjà largué. Donc, c'est quand même un secteur où ce sont des jeunes et il faut de temps en temps marcher avec eux pour comprendre leur, leur logiciel. Effectivement, ils ne raisonnent pas comme nous. Par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne mais quand je l'écoute, je le lis et je le vois, quand j'échange avec lui, c'est sûr qu'on ne lui sert pas de monsieur le directeur, par exemple. Et donc les entreprises, aujourd'hui, la logique des entreprises, notamment en Occident, c'est de préempter le leadership en fait. Des modèles verticaux. Exactement. C'est-à-dire que l'agilité des startups est en train d'enrichir des grands groupes internationaux aujourd'hui, parce qu'on a compris que c'est comme ça qu'on peut évoluer. Il n'y a pas de censure, un peu comme dans un cabinet de publicité, on ne censure pas, toutes les idées sont bonnes. Souvenez-vous de slogan La France tranquille de Ségéla, il n'avait pas trouvé jusqu'à la fin où il devait remettre sa copie. C'est le planton qui a donné le petit dernier mot qui a fait que Mitterrand a été réélu parce qu'il avait un slogan qui était fort. Donc on ne censure pas, et je crois que dans le milieu des startups, ça doit être la première chose. Or, dans notre environnement, lorsque vous venez avec une idée folle, on se moque un peu de vous. Il y en a même qui vont jusqu'à vous faire des compliments sans le savoir, en vous disant, mais tu es un rêveur. Moi, quand j'ai lancé la bourse du livre en 91, et que je racontais mon cinéma, je disais, je vais faire un truc, je vais faire le poteau, entre le poteau et la librairie, je vais faire ça dans un grand hôtel 5 étoiles, il y a un ami qui m'a dit, mais tu es un rêveur. J'ai dit, oui, justement. C'est retirer le rêveur au mammifère, qu'est-ce qu'il devient? Il est mort. Donc, si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas continuer. Et je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de frein. Tout ce qui m'animait, c'est que je maîtrisais un peu les concepts marketing, le risque marketing, et je voyais que j'étais dans le vrai. Et donc, j'ai dit, je vais y aller. Personne ne peut m'empêcher d'y aller. J'ai travaillé pendant 6 mois pour préparer. Et aujourd'hui, je passe pas une semaine tant que lorsqu'on me voit, on dit ah, bourse du livre, alors que tiens, ça fait quand même un petit paquet d'années que juste pour anecdote, quand nous on lançait Kero Games, je me rappelle qu'il y avait des journalistes qui avaient écrit que ces jeunes sont pris d'une crise d'hystérie collective. Aujourd'hui, quand on nous dit génie, nous on rigole bien. Mais voilà, c'est commun. Et il ne faut pas, et le conseil, si je peux me permettre, en plus, c'est bon, le conseil que je peux donner à des jeunes, c'est ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui n'a pas eu votre idée. Vous avez eu votre idée, assurez-vous que c'est bien, partagez-le avec des gens de confiance, mais n'écoutez pas les esprits négatifs qui vous demandent si vous allez penser à telle chose. Parce que si vous pensez à telle chose, ne prendrez pas le bac pour traverser pour aller en tuer. Hein. Pour compléter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compléteurs de pour compléter ça, je vais dire aussi aux autres jeunes qui suivent, justement, de ne tomber amoureux de votre but, mais ne tomber jamais amoureux du comment. Ça aussi, c'est souvent quand on dit de ne pas abandonner, souvent les gens font la tête sur le moyen. C'est-à-dire, imaginons si par exemple nous à Ubuntu, on avait à tout qui dit, on veut faire des conférences, on veut faire des conférences. On n'aurait pas ce qu'on a fait aujourd'hui qui est même mieux et moins d'efforts et plus de fait. Donc, un des grands secrets aussi de Kero, c'est qu'on s'adapte énormément. Et je pense que d'ailleurs, même Johnny l'a dit. C'est-à-dire, c'est quelque chose. On sait où on va aller. Ça, vous ne changez pas, vous améliorez, mais n'hésitez pas à changer de route pour y arriver. Au départ, M. Payon, vous aviez votre rêve et pas les moyens. C'est pareil chez vous. Finalement, est-ce qu'il ne se pose pas au fond le problème de manquer? Qui doit manquer? Et donc, celui qui veut. Bon, vu qu'on a un programme de mentorie, je vais essayer d'être court.
Bon, je pense que ceux qui doivent mentorer, déjà il faut qu'on comprenne la différence entre le mentor et le coach. Hein, parce que je sais qu'il y a une tendance au coaching en ce moment. On a une image où on dit, un coach c'est quelqu'un qui te dit, vas-y, crois en tes rêves, tu es devant un groupe avec un drap. Et on dit, le formateur te dit, il te faut un ton. Le mentor, c'est celui qui te pousse en te disant, tu utilises ton drap comme le parachute, tu vas arriver en bas. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne te mâche pas le travail, qui n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil, mais qui te demande constamment de te mettre à la hauteur de ce que tu veux. Et ça, c'est généralement ceux qui ont fait le chemin. Et ça, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de mentors à qui je dois beaucoup, mais j'ai souvent une phrase où je dis, quand par exemple Madame Inonchon, qui me mentor, quand elle me prend en charge, même mon ombre, je ne veux pas être dans la pièce. Elle me rappelle que non, tu dois aller ici, 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 tu t'endors là, là, là. On n'est pas là pour te dire que tu es le meilleur, tu dois arriver là-bas, parce que tu as une mission. Monsieur. Économie c'est ceux qui ont fait le chemin. Justement, économie numérique, on parle en fait de nouveaux modèles. Est-ce qu'il y a des modèles économiques derrière l'économie numérique? Quand on en parlait avant, il n'y a pas un nouveau modèle, un nouveau domaine. Quand on parle d'économie numérique, ça commence à penser aux politiques, parce que c'est technologique. Mais ça va au-delà de cela. Pour moi, en fait, je dis l'économie numérique, c'est à la fois quelque chose à l'époque. Je suis sûr que ça se termine toujours entre un homme et une femme ou un homme et un homme qui paye à la caisse, etc. Ouais. Un livret. Donc vous voyez, et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on focalise tellement sur le TIC. Mais moi, ce que je retiens justement de l'économie numérique et de tout, c'est que c'est en train de remettre en question les fondamentaux de l'économie et les fondamentaux. Par exemple, quand on nous parlait de la notion de concurrence, on dit la concurrence directe, la concurrence indirecte, la concurrence générique. Aujourd'hui, un économiste qui se respecte ne peut plus envisager ce genre de choses. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais acheter du carburant, il faut aller me balader. Eh bien, si je mets 5000 francs de carburant pour aller me balader, et que quelqu'un d'autre met 5000 francs de crédit pour se balader étant sur son smartphone, expliquez-moi où est la concurrence entre le téléphone et le carburant. Donc ça met en brèche tous les fondamentaux de l'économie. Quand nous commencions, lorsqu'on parlait du mix marketing, la position, c'est-à-dire de place, la distribution,
était très importante. Donc, vous faisiez un devoir et que vous oubliez de dire que bon, j'ai une boutique à Madagascar, j'ai une boutique à X, j'ai une boutique à Y. On disait, mais comment tu vas vendre tes produits? Aujourd'hui, le terme distribution a disparu. On parle plutôt de convenience. La question qu'on vous pose 4 fois sur 5, c'est, au fait, est-ce que je peux acheter votre marchandise sur Internet? Vous voyez, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être à Marois, à Garois, etc. Est-ce que je peux acheter votre truc? Parce que 9 clients sur 10 sont en train d'intégrer la question de je peux acheter. Et les magasins qui ont été menacés par les pure players, notamment chez les blancs, hein, je pense aux grands magasins comme Carrefour, la Fnac, etc., ils sont en train de revenir avec leur expérience de distributeur, avec leur solidité sur le marché, et ils sont en train justement de dire, mais nous avons l'expérience client. Nous pouvons savoir quel est le trajet du client. Et aujourd'hui, la plupart des... On ne parle même plus d'hypermarché, aujourd'hui on parle de cybermarché, parce que 30% de consommateurs, j'aime pas trop ce terme, parce que c'est producteur, 30% de clients de grandes surfaces font leurs courses en ligne. Ils sont... Vous discutez avec des amis, et puis à un moment, la dame vous dit, moi je vais vous laisser parce que les 22h30, je vais aller faire mes courses. Ben non, je suis plus à côté, ne vous inquiétez pas. Elle fait ses courses, elle valide, voilà. et elle choisit, soit on me livre, ou alors je vais aller chercher au parking. Donc, aujourd'hui, c'est ça que moi j'appelle l'économie numérique. Comment est-ce que tout cela est transformé, et au profit de qui? Ça, c'est la question fondamentale qui concerne les habitudes, la mentalité. Est-ce que quand on commande chez Doumia, est-ce que Doumia a un problème avec ce qui livre? Est-ce que celui qui doit vous livrer à 18h ne s'endort pas un peu en se disant, bon, de 20h parce qu'on arrive toujours en retard, je suis mal placé pour le dire parce que tu arrives en retard à votre émission. Mais dans notre mentalité, je pense que ça doit être le nœud du processus. Je dis que c'est toujours une aventure humaine avant d'être la folie. Olivier, en une minute, déjà, je réponds comme co-panéliste. Voilà, c'est pas un modèle, c'est un outil. C'est-à-dire, TIC en lui-même, les TIC en lui-même, c'est pas un modèle, c'est vraiment des outils, en fait, pour, par contre, alimenter des modèles ou en créer de nouveaux. Il y a, par exemple, un modèle, on en parlait avec M. Conné, sur le fait que les télécoms qui comprendront qu'ils peuvent partager le revenu data avec les créateurs de contenu africains, ils vont débloquer énormément de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, Orange, par exemple, pour MTN pour ne pas faire de discrimination publicitaire, qui disent tous que leur avenir est dans le contenu, mais qui ne veulent, par exemple, pas financer le petit youtubeur camerounais qui a besoin de s'acheter une caméra et de pouvoir payer son bailleur, parce que le bailleur ne mange pas les likes, mais il a besoin de pouvoir vivre de ça. Si ils mettent en place une politique où ils disent, ok, on a mis en place des capteurs qui font que chaque fois que ta vidéo est regardée à cause de notre réseau, on sait que tu nous as fait gagner, puisque les gens ont consommé tes data, peut-être 1 million de francs CFA. Et que nous, on te donne 150 000 francs CFA là-dessus. Le YouTuber commence à devenir un métier viable. Et eux, ils ne perdent rien parce qu'en même temps, ça améliore la qualité du contenu, le nombre de personnes qui se connectent pour regarder. Et ça crée vraiment toute une industrie. Donc, le data revenue sharing est un élément très important qu'avec Hero, on essaye vraiment de négocier pour mettre en place et créer un précédent afin que ça devienne une norme. Aussi, un des éléments sur lequel je veux beaucoup avancer, c'est la remontée des données de l'informel africain. C'est-à-dire, les TIC nous donnent une opportunité comme jamais d'arriver à remettre ce qui se passe dans notre informel plus ou moins accessible dans nos calculs de PIB et d'indice de productivité. Celui ou ceux qui vont faire ça seront potentiellement les prochains rois d'Afrique. Parce que un des problèmes, je vais dire très naïvement, et je sais que tout le monde qui regarde la télé le ressent, c'est on se dit, ok, en Afrique, on a des jeunes, des gens qui veulent travailler. On a des ressources. On commence à avoir la technologie parce qu'avec toute la diaspora africaine qui est disponible, on saurait comment transformer notre platinum et tout ça en notre propre smartphone. Mais il y a une équation qui vous dérange tous. C'est pourquoi est-ce que nos banques centrales ne peuvent pas imprimer de l'argent pour la productivité? On est d'accord qu'on ne peut pas imprimer de l'argent pour
les salaires, ça va créer de l'inflation. Mais on a un tel besoin de produire que c'est plus ou moins un manque de bon sens terrible. Et à chaque fois, ils vous répondent, on n'a pas les indicateurs, on n'a pas les indicateurs. Ceux qui vont avec les TIC, trouver le moyen de glaner ces indicateurs-là pour relancer un débat où il n'y aura plus de faux semblants, vont pouvoir beaucoup bouger les choses. C'est quelque chose sur lequel on travaille à Kérou. Justement, je vous propose donc d'écouter un dernier élément qui sera également la dernière thématique de ce jour, celui consacré au numérique, l'Afrique à la conquête de l'espace. En dehors de la traditionnelle économie numérique, le continent africain réalise également des petits pas vers la conquête de l'espace. En moins de 10 ans, plusieurs pays africains ont fait leur entrée dans le cercle très restreint des pays disposant d'un satellite en orbite. Le 8 novembre 2017, le Maroc a justement rejoint ce cercle en mettant en orbite Mohamed 4A, le premier satellite d'observation marocain. Agence de vidéo, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. À image P80, décollage. Propulsé à une altitude comprise entre 600 et 700 km depuis la base de Kourou en Guyane française, à bord d'une fusée italienne, l'engin d'une tonne est le fruit d'une opération conduite par le français Ariane Espace. Cet engin permettra au Maroc de gérer des projets agricoles, gérer les ressources naturelles, prévenir les catastrophes climatiques ou pour des applications militaires réduites à la surveillance de ses frontières. En juillet dernier, le Ghana avait mis en orbite son premier satellite d'observation. Lancé depuis la Station spatiale internationale SSI grâce à l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise JAXA, conçu au Ghana par des étudiants de l'All National University à Nuk de Koforidua, ce CubeSat baptisé GhanaSat-1 est un nanosatellite que l'on peut tenir dans ses mains. Construit par du matériel fourni par la NASA, il permettra la surveillance des côtes ghanéennes à des fins cartographiques et le renforcement des capacités du secteur des technologies de l'information et de la communication. Grâce au progrès de la NUC, le gouvernement ghanéen planche sur la mise en place d'un véritable programme spatial avec le lancement d'un autre satellite fabriqué par la NUC. Un projet estimé à hauteur de 5 millions de dollars, ce satellite assurera la surveillance des frontières, des mines illégales, permettra la prévention de la déforestation, la pollution de l'eau et des feux de forêt. Mis à part ces deux États, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont considérés comme les deux États pionniers du continent dans le domaine. L'activité satellitaire africaine, principalement orientée vers les télécommunications et la télévision, représente aujourd'hui 10% du trafic mondial. Un chiffre peut-être peu signifiant à l'échelle mondiale, mais qui démontre tout de même l'intérêt croissant pour les États africains vers le spatial, sur lequel beaucoup d'espoirs sont fondés. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, monsieur Matipa Oudou, monsieur Namapayon, président, monsieur Premier ministre. Merci à la maison de nous avoir regardé cette émission. We'll be right back.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de regarder Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Pouce du Mag. Nous parlons aujourd'hui de technologie, de TIC, de télécommunications. Un secteur qui depuis ces dernières années connaît une croissance assez importante sur le continent. Donné, par exemple, entre 2002 et 2017, le taux de pénétration du mobile est passé de moins de 10% à 80%, avec dans la foulée de nouveaux types de consommation et aussi une nouvelle demande. On parle désormais de e-commerce, on parle de mobile money, on parle même de vidéo à la demande. Derrière ce nouveau concept se cache une nouvelle économie dite numérique. On s'interroge alors aujourd'hui, quel est le réel impact des TIC en Afrique? Quels sont les dividendes aussi bien pour les porteurs de projets que pour les États? Et surtout, quelles sont les perspectives? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé de la rédaction de Vox Africa. Nous sommes en Namibie en août 2016. Dans ce pays considéré comme l'un des plus pauvres du continent africain, Simon Petrus vient pourtant de faire une innovation qui pourra révolutionner la vie du milliard d'Africains. Il vient de laisser son empreinte sur la technologie moderne. À seulement 19 ans, le jeune garçon a inventé un téléphone sans fil, sans carte SIM et plus important encore, sans besoin de crédit de communication. The phone is just made out of unregistered SIM card and a phone system, a radio system. Once you connect all those together, they form a non-creditable phone, as you can see it now here. In our village, there's no electricity, or as people in our village, sometimes they are like they don't have money to buy credit, so I have made this to help them in a way, like to communicate to their family within the country or abroad. Avec seulement quelques objets quelconques récupérés ça et là, Simon Petrus a pu réaliser cette merveille technologique. Des objets constitués de pièces de rechange de téléphone, de composants de téléviseurs, des ampoules, des carcasses de chargeurs et de téléphones. Coût de la production, $146, soit quelque 77 000 francs CFA. À quelque 3400 km d'ici, au Cameroun notamment, une autre innovation va celle-ci sauver la vie de millions de personnes souffrant de troubles cardiaques et qui ne parviennent pas à accéder à un cardiologue. Cette innovation, c'est le CardioPad. Une petite tablette médicale qui permet à des médecins de réaliser des électrocardiogrammes à distance. Du pain béni pour des millions de personnes évoluant en zone rurale qui n'ont pas accès à un cardiologue. Son inventeur, Artusan, un jeune Camerounais. Je m'appelle Artusan et je suis là pour représenter la société Highmore Medical, qui est une société de fabrication d'appareils médicaux localisée au Cameroun, à Yaoundé. Et donc notre produit que vous avez juste devant vous s'appelle le CardioPad. C'est un appareil médical destiné à réaliser les examens cardiaques dans les hôpitaux de district, c'est-à-dire dans les lieux où il n'y a pas de spécialistes en cardiologie. Donc nous sommes partis d'un problème simple qui se pose dans beaucoup de pays d'Afrique et qui se pose également donc dans les pays en voie de développement, qui a très peu de spécialistes en cardiologie en Afrique. Et donc les patients qui habitent en milieu rural sont très souvent obligés de se déplacer pour venir en ville effectuer leurs examens. Donc grâce à cet appareil donc appelé le CardioPad, on peut réaliser des examens cardiaques aux patients et également transmettre les résultats de ces examens cardiaques à travers le réseau téléphonique mobile, ce qui permet par ailleurs d'obtenir un diagnostic cardiaque et d'éviter donc aux patients de se déplacer à chaque fois qu'ils veulent effectuer un examen. Qu'il s'agisse du CardioPad ou du téléphone sans fil de Simon Petrus, toutes ces innovations ont un dénominateur commun, elles sont 100% made in Africa. Mieux, leurs promoteurs sont des produits 100% du système éducatif africain. Des détails peut-être, mais qui ont toute leur importance et révèlent que contrairement aux clichés répandus, l'Afrique est capable d'entreprendre, l'Afrique est capable de grandes choses. Et parmi les secteurs dans lesquels l'Afrique perce le mieux, figure en bonne place le secteur des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Chaque année,
l'Union internationale des télécommunications, l'IUT, Médiamétrie ou le e-commerçant Jumia publient des indicateurs globaux qui reflètent le niveau de progression et d'implémentation des différents pays dans le secteur. Des indicateurs qui consacrent à chaque fois la percée de l'Afrique dans le numérique. On ne peut pas toujours maintenir cette politique de dire que tous les bacheliers vont entrer à l'université et suivre ce qu'on appelle des cours présentiels, c'est-à-dire être en amphithéâtre devant un professeur. Les nouvelles technologies permettent de dérouler un enseignement tout à fait correct alors que l'étudiant n'est pas à l'université. Si l'on en croit une étude réalisée par Médiamétrie dans le second semestre 2016, l'un des faits marquants dans ce secteur, c'est l'explosion du taux de pénétration des smartphones en Afrique, devenu deuxième plus gros consommateur de smartphones au monde après l'Asie. En Côte d'Ivoire, dans la capitale économique Abidjan, la part des foyers équipés au moins d'un smartphone a été multipliée par plus de 5 en 3 ans, passant de 15,7% par foyer équipé en 2013 à 87,7% fin 2016. Au Sénégal, dans la ville de Grand Dakar, là où en 2013, le smartphone équipait moins d'un quart des foyers, soit 23,7%, derrière l'ordinateur portable présent dans 31% des foyers, ce sont aujourd'hui 82,2% de foyers qui sont équipés d'un smartphone, surpassant ainsi tous les autres équipements multimédia. Au Cameroun, la tendance est également positive avec une pénétration du mobile qui est passée de 80% à 90% entre 2016 et 2017, tel que le révèle la quatrième édition du Mobile Report Cameroun que vient de publier la filiale locale du e-commerçant Jumia. Il révèle également que le taux de pénétration d'Internet au Cameroun est passé de 11% à 21% entre 2015 et 2016 pour atteindre 25% en 2017. Comme le mobile, la progression de l'Internet est également satisfaisante à l'échelle africaine. D'après la section consacrée au digital du rapport mondial de développement 2016, publié le 13 janvier 2016, la Banque mondiale fait savoir qu'en 8 ans, la pénétration d'Internet a progressé de 9% en Afrique subsaharienne. Dans le même sillage, la Banque mondiale déplore l'absence du haut débit dans la plupart des pays du continent. Comme solution, elle propose de vulgariser l'accès à Internet pour le rendre universel. L'évolution des télécommunications, l'évolution de l'informatique, la convergence de l'informatique et des télécommunications, c'est ce qui nous a donné les technologies de l'information et des communications. Avec à l'appui l'arrivée du signal Internet, qui est véhiculé dans notre pays. On a connu d'abord le signal Internet à très bas débit, ensuite à haut débit, et maintenant nous l'avons à très haut débit grâce aux infrastructures à fibre optique. Et Congo Télécom a reçu du gouvernement la gestion de l'infrastructure à fibre optique qui a été construite à travers le projet de couverture nationale en télécommunications et TIC. Mais en attendant, les start-up du digital en Afrique doivent composer avec cet état de fait aggravé par des coupures d'Internet sous forme de censure, comme cela a été le cas au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et dans bien d'autres pays africains, ce qui plombe leur activité. Mais en dépit de ces belles performances enregistrées, on peut se demander si le seul taux élevé de pénétration du téléphone mobile et de l'Internet, qui ne concerne d'ailleurs pas tous les pays, suffit à consacrer l'entrée de l'Afrique dans la société de l'information. Le téléphone mobile à lui tout seul et Internet suffiront-ils à développer ce continent? Et surtout, comment le taux de pénétration de cet objet technique, isolé de tous les autres secteurs, qui eux demeurent très bas, peut-il accomplir ce miracle? Merci à Joël Etougué pour ce reportage. De retour donc sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec trois invités
Je vais commencer par vous, un chef d'entreprise, M. Nana Fayon Ferdinand. Merci d'être venu sur votre certificat. C'est moi qui vous remercie. Ensuite, j'irai avec vous, Olivier, également chef d'entreprise, mais je dirais plutôt cofondateur des studios Hero Games, le premier studio de jeux de fantasy en Afrique. Bienvenue. Merci, et puis bonne santé. Et je finis avec vous, Monsieur Kone Dorogana. Dorogona, excusez-moi. Vous êtes le directeur Cameroun du site de e-commerce Junia. Merci d'avoir fait le déplacement pour le studio de Vox Africa. Vous avez regardé avec nous cet élément. On parle aujourd'hui, donc, je le disais, de TIC, de télécom. Est-ce que, d'après vous, l'Afrique est réellement entrée dans ce secteur? Comment? Que l'Afrique rentre dans le pays. Moi, je trouve le poisson de l'activité. Et plus en plus, l'information est disponible qui crée, on va dire, un boom dans notre économie. On voit de plus en plus des innovations qui voient du jour. On a vu le cas du jeune Camerounais qui a été construit. Au Kenya, par exemple, on a de grosses innovations qui arrivent. Et du fait que de plus en plus, l'information est disponible. Ce qui veut dire que maintenant, les jeunes, on va dire, africains, comment savoir le même niveau d'information que les Européens, les Européens. Ça me permet de plus en plus de développer différents secteurs, aussi bien le secteur commercial, l'armée, que des secteurs. Je pense vraiment que c'est mon idée. Olivier, est-ce qu'on devrait s'en satisfaire? Non, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire, en termes, par exemple, de consommation de données, je crois que dans les villes, principalement, il y a une grosse avancée qui a été faite, comme l'expliquait M. Conné. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la place de la production, notamment. C'est-à-dire le fait que l'Afrique crée son contenu, maîtrise son contenu, et dans une certaine mesure, possède un peu sa technologie, mais je vais juste revenir là-dessus plus tard. Donc, de ce côté-là, on a beaucoup de boulot à faire. L'Afrique anglophone est beaucoup plus avancée, où il y a des startups, des PME, TIC, qui trouvent de plus en plus leur place avec des modèles viables. En Afrique francophone, on traîne, mais ça évolue aussi pas mal. Et pour finir quand même sur l'Afrique anglophone, et je vais dire par exemple un problème qu'on a un peu réalisé, c'est on se rend aussi compte que des entreprises TIC qui marchent ou qui arrivent à attirer des fonds, il y a un peu le problème du fait que le fondateur doit toujours finalement venir un peu de la Silicon Valley, donc le problème du white founder, comme on dit souvent. Et c'est quelque chose qui montre qu'on a un gros problème sur les ressources locales à les faire financer dans la grande équation africaine du monde. Monsieur Payan, je poursuis avec vous. Monsieur Madiba, Olivier, il parle d'importation, peu de développement des ressources humaines. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous, mais je voulais également parler de l'importation, mais de démontrer dans quel sens il obère considérablement notre balance de commerce extérieur. Quand vous évoquez la croissance exponentielle de smartphones en une dizaine d'années, quand on regarde bien, l'Afrique ne bénéficie pas de cette innovation, de cette croissance. Tous ces outils, ces produits sont importés. Ça veut dire que les devises que nous avons vont à l'extérieur pour acheter cette matière-là, qui va certainement nous servir. Donc, il faut inverser la tendance. Il faut faire en sorte, et ça, c'est le rôle des pouvoirs, hein, il faut faire en sorte que des jeunes comme Simon Pécrus, qui vient de Namibie. Bon, des jeunes comme ça, il faudrait peut-être pouvoir encourager ce qu'ils font. Ça ne va pas être facile, parce que l'innovation dans ce domaine-là dépend surtout des majors. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui accepteraient de sortir un nouveau produit comme celui-là parce que ça va leur créer des parcours incroyables, sans but, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que chaque fois qu'on investit un franc pour importer un produit, c'est un franc qui ne sert pas à notre développement. Donc il faut que chaque fois qu'il y a un investissement, il soit dans, de manière à enrichir notre continent. Mais évidemment, il faut passer par là, mais il ne faut pas perdre de vue. Je retourne avec vous, Monsieur Dorogona. Vous avez la chance, nous avons la chance de vous avoir vu publier régulièrement des indicateurs, peut-être sur le Cameroun, mais aussi de manière un petit peu plus globale. J'ai envie de vous demander quel est l'état des lieux d'implémentation
de la société libre. Avant de prendre votre question, je vais vous rappeler abonné de votre rapport comme une protection des devices. Par contre, je dirais aussi que cela conclut également à une sorte de concurrence de marché. Pour les gens, il y a 5 ans, le prix du marché coûtait 52 000. Les autres, à moins que 27. C'est vrai que cette importation-là entraîne un mouvement extérieur. D'ailleurs, en termes de bénéfices économiques, localement, ça permet également de permettre aux gens de pouvoir avoir des personnes abordables. En ce sens, c'est peut-être un bon changement à apporter pour développer l'économie. On parlait tout à l'heure, c'est également un événement peut-être culturellement, tout à fait exactement qui sont le cas comme algorithme. Mais également, il faut aussi arriver à développer le marché local pour permettre aux gens de l'autre de pouvoir avoir des personnes qui sont les plus valides. Donc, revenons à votre question, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on a publié dernièrement un white paper sur le e-commerce et les télécoms. Globalement, ce white paper est en retraite. On constate qu'au Cameroun, on a une préoccupation et derrière de métier pour tout. On a environ 6 millions de personnes qui sont connectés à Internet. La préoccupation des smartphones est encore beaucoup plus forte, mais pas de 80 à 90%. Et de plus en plus, les gens ne connaissent pas à son Cameroun. C'est dû à quoi? Tout à l'heure, en fait, il y a une préoccupation plus énorme. Mais également au fait que de plus en plus les Camerounais sont plus vers le device, on n'est pas les prières bon. Impact réel sur l'économie, parce que de plus en plus, on peut évoluer des services de manière liée à la connectivité dans notre économie. On a des applications structurelles, on a des startups qui sont lancées sur des domaines qui étaient juste alors, on va dire, qui étaient admis à nous les gens. On a un vrai remous qui est certainement. En termes de l'adoption qu'on va entrer dans. Les chiffres, l'adoption du mobile money par exemple, ça montre qu'en gros, par jour, on a besoin près de 5,2 transactions par jour en matière de mobile money. C'est vrai que depuis longtemps, on adopte beaucoup de. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, le ministre Bruno Conné a parlé de 17 milliards de francs CFA de transactions par jour. Tout à fait. Le Cameroun est dans la même montée. Le moteur en Afrique centrale. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, on va dire, à horizon, on va dire, à 2020, on fait un peu comme le finir avec un peu. On voit le vrai outil de mettre aussi. On va dire, indépendamment de leur position, ils doivent payer, oui, ils doivent payer leur communauté, ils doivent vraiment bénéficier de l'outil. Mais, monsieur Nana Payan, peut-être le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria font office de bons élèves, mais il faudrait peut-être aussi noter qu'il y a des graves disparités. Les résultats en termes de progression, de pénétration du mobile money, d'Internet ou encore même des services de communication, c'est peut-être élevé au Cameroun, au Nigeria, mais en Côte d'Ivoire. Mais si on rentre dans des pays comme peut-être le Tchad, la République centrafricaine, la Somalie, les disparités sont énormes sur le continent. Oui, je crois qu'il y a une raison. La première, c'est le marché. C'est-à-dire que une entreprise de bien, le marché camerounais est responsable. Maintenant, s'il y a une logique d'agrandissement de l'espace de marché, notamment par la définition de la sous-région, la SOMA, etc., on peut arriver à oublier le fait que la Centrafrique, qui est à quelques kilomètres derrière Addis, c'est à la frontière de la dernière ville de l'Est du Cameroun, qui a menace et à la frontière de Syrie. Donc, on peut arriver, s'il y a une volonté politique, et surtout s'il y a une méthodologie, parce que nos dirigeants ne sont pas très habiles en matière de benchmark. Je veux dire que si, par exemple, on regardait comment a été construite l'Union européenne, depuis le début, on pourrait calquer et adapter à notre environnement. Comment ça s'est construit et en termes de raisonnement à terme, comment est-ce que où est-ce que nous voulons aller, quelles sont les différentes étapes que nous voulons franchir, parce que la simple dernière question de la grandeur du marché s'est toujours posée et elle restera l'une de nos faiblesses. On investira plus facilement au Nigeria où on a 150 millions de consommateurs qu'au Cameroun qui est à côté. Et puis, avec l'aide aussi du Naira, qui permet de flotter et de jouer avec la monnaie, parce qu'on a la possibilité de le faire. Mais je voudrais venir
répondre à votre question en évoquant un sujet qui est presque quotidien. Cette progression vertigineuse de consommation de mobile money, par exemple, risque de trouver une limite en raison de la cybercriminalité. Dans le plaisir, on va dire concrètement, en Europe, on fait éduquer les gens de manière complètement. On nous appelait, on dit, OK, gardez le coup. On a fait la police, on dit, OK, fait pour jeune Afrique. On devait arriver à ce niveau-là avec le temps. Je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics prennent à bras de corps. Mais au-delà des pouvoirs publics, il y a, comme on a dit, les médias, les entreprises, il faudrait qu'on élite, qu'on communique de plus en plus. Je veux dire, moi, j'estime que lorsque j'ai un collaborateur, je me dis, j'ai aucun message, je viens de faire telle séquence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, quand tu prends le détail de la séquence qu'on vient de faire, il y a une tempête dans tous les cas. Et vu que les gens n'ont pas encore l'éducation, n'ont pas encore l'aider, ils n'ont pas étudié à dire qu'on mette une dièse et quoi à tel moment, il y a une tempête de fait. Ils le font. Donc, il faut de plus en plus les expliquer. Si on prend un peu le cas de la Côte d'Ivoire, qui s'en est un peu plus, où il y a de grosses campagnes par rapport à ce genre d'activité dans les médias. Donc, les gens savent maintenant qu'on leur a fait retenir typiquement le code de transfert d'argent. Donc, quand ils reçoivent un message disant, on voit quel élément de cas. On a le cas de la fraude qui est venue derrière. Ou retrouver les mails, donc les gagner à la loterie. Oui, le travail en plus Bill Gates. Plus on commet des trucs, plus les gens prennent conscience de cela. Donc je pense que c'est un gros travail d'éducation à faire. On commence à le faire. On va pas assez vite par rapport à l'évolution des choses. Je pense qu'on va finir par y arriver. Olivier, une réaction? Bon, moi, comme j'ai dit, c'est-à-dire, il faudrait juste que les. Parce que je pense que l'identification est très informatisée. Donc, pas comme si on demande aux télécoms des gros registres. Il s'agit juste de mettre, par exemple, cette base de données à la disposition des forces de sécurité et potentiellement de faire que toute personne qui a arnaqué peut signaler un numéro. Si le numéro est signalé un certain nombre de fois, ça alerte les policiers qui peuvent du coup regarder dans la BD qui est cette personne. C'est-à-dire, il y a des trucs qui ne demandent pas forcément d'aller prendre un expert de la NASA pour venir le faire. C'est des petites... Il me semblerait que dans la procédure légale, d'aller pour la police, c'est à la police de se rapprocher de l'opérateur et à l'opérateur de donner un peu de la garde. J'ai un peu vécu le cas en tant que la garde, qui en avait connu des fois, qui avait une boutique également avec une famille, elle a profité. J'ai été de voir que, pas qu'elle était en rapide, on a l'occasion de monter. On fait la petite, on pense que c'est les procédures qui se font. Peut-être que les gens n'ont pas l'information. Peut-être que les procès sont pas encore très rodés. Mais je pense que c'est le procès. Après, pose la question de la protection des données. C'est notre débat, à savoir est-ce que je dis également parlons des droits de. Si c'est la police, je crois que ça. Si c'est les forces de. C'est ça que je n'ai pas dit au grand public. Monsieur Payon. Oui, justement, je dans le cas des universités d'Afrique, nous avons un partenariat de 3 ans avec. Et j'ai une petite idée de l'évolution du big data, de cette gestion massive des données. Et effectivement, aujourd'hui, on peut tracer quelqu'un dans les secondes qui suivent. On peut retrouver un téléphone immédiatement. On peut savoir où se trouve cette personne. On peut savoir qui a utilisé la puce. Où était même cette personne au moment où il est fondé. Et je crois qu'il faut qu'on regarde un peu le procédure pour que justement, il faut trouver un moyen, on ne va jamais mettre un terme à cela, mais il faut trouver un moyen de. Parce que quand même, beaucoup de gens se font arnaquer aujourd'hui. Il faut limiter la cible. Il faut absolument limiter. Une astuce, c'est de voir la personne qui perdra le plus. Et si les opérateurs, eux qui sont orientés gagner de l'argent, si on y perd la confiance qu'ils ont mis presque 5 ans, 8 ans à construire, c'est eux qui perdent le plus. Donc peut-être c'est à eux d'être plus proactifs. Okay. On va évoluer avec l'émergence de nouveaux services avec la société de l'information, je le disais en introduction. Aujourd'hui, on parle de mobile money, on l'évoquait, on parle de e-commerce. Le e-commerce, justement, monsieur Conné, cela semble avoir connu une progression assez, je dirais, anormalement rapide sur le continent africain au cours des 5 et 10 dernières années. J'ai envie de vous demander quelle année est-ce que je dirais une correction intéressante. On a encore beaucoup à faire. On est plus économique.
à 10% de couverture, plus potentiellement. On a encore beaucoup d'usage. 10%, Michel, allez, on peut le moduler, pas le faire à thème local, mais globalement, en fait, à ce genre de grandeur là. J'ai vu effectivement qu'on a encore beaucoup d'usage, notamment au Cameroun. Surtout au Cameroun, qui est le pays, là. De plus en plus, on s'est rendu compte, ces années, que, au départ, on avait fait un gros travail de l'économie. Pour les Africains, découvrir l'économie. Avec tout ce qui est problématique des arnaques, au départ, les études ont été faites maximum pendant les premières années. Ensuite, on a dû adapter les modèles. Je reviens un peu sur le départ. On a dû adapter les modèles européens. Finalement, on a eu à faire ça à nous, comment que le pays. C'est dans le modèle des e-commerce, la planète, on a fait ça. On a un artisan ou un commerçant qui vend une plateforme. Il a une cliente. En général, en Europe, les gens payent par adapter au panneau pour le pays. En Afrique, on s'est rendu compte que c'est naturellement, par exemple, on est dans notre pays, voir le produit, le vérifier, les toucher, comme le Thomas. On peut dire ça, plus ou moins. Donc, on a dû adapter le modèle à l'Afrique. On s'est dit, OK, on va mettre en place le système du paiement à livraison. Donc, du coup, on veut à chaque fois, c'est pas d'accord, mais une personne qui paye en ligne, aujourd'hui, elle n'a aucun excuse. Elle commande en ligne, le système de protection qui est mis en place, on appelle pour vérifier la banque, on confirme la commande, on confirme la date de livraison. Lorsqu'on livre le produit, elle prend en déposition du produit, elle livre le produit, et elle paye. Elle paye, justement, elle paye cash à la personne ou elle paye en ligne? Non, elle paye. Pas journaliste. Non, elle paye. En termes de paiement, il y a du compte de paiement. Le paiement, cash à la livraison. Le paiement, je vais vous prendre 30% du compte. On a paiement en ligne, je peux y aller pour les paiements par mail en ligne. Alors, on va bientôt mettre en place des paiements par Donc voilà, donc, on a, pour venir au débat, on a essayé d'adapter le modèle à la. Ce qui a permis de plus en plus à développer cette plateforme. Maintenant, l'espoir du commerce en ligne de force, c'est le fait que, en réalité, on permet à des commerçants, par exemple, des commerçants de Bordeaux et de Matisse, des statuts de plus, ils vont en ligne et ils vont à une zone d'assemblage. Vous voyez, la banque qui vend en ligne, ils vont pas, c'est un grand délire, rigolo, là. Donc, ça permet également de développer le système économique. Maintenant, c'est compris. Comme j'ai dit un peu, on va dire, challenger le marché, et on va le faire avec un peu cette écosystème d'action qui était menée, avec également le concours, des médias, des opérateurs, de permettre, peut-être, on va dire, cette histoire d'économie. Je vais peut-être vous garder la parole. En 2000, Jonia Cameroun, je crois, était ce 5 ans, 2017. Quelle était la situation de taux de pénétration du commerce en début de l'année? Ça fait quoi, 2000? Oui, l'année dernière, on a fait tout le monde, chaque année, on a fait on essaie de prouver ça, tant qu'ils ont dit c'est important chaque année de marcher de tout et de faire revue du fait que. On se dit qu'on n'est pas bon. Donc en fait, on évolue. En 2017, on était encore un taux de création d'internet dans le genre de 20% à 10%. On avait 5% cette année. Disons, l'année dernière, on avait 5%. Ça veut dire qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'on a des questions, on va dire, il y a 5% dans le domaine. On tient par exemple la technique, l'accès internet. On plébiscite de plus en plus les efforts du gouvernement, notamment par exemple dans la ligne Sofel qui a lancé on va dire, une grosse initiative qui va permettre de produire depuis la bande passante de 2015 à 2018. Ça veut dire que bientôt on va pouvoir prendre cet effort-là de l'écrire. Ça veut dire que maintenant les gens auront le produit internet. Donc, oui, il y a eu un gros changement en quelques années et une évolution due à beaucoup de facteurs, mais qui permet de plus en plus de développer. Monsieur Payon, on évoque une progression de pratiquement 5% sur les contacts que j'ai fait en Italie du commerce. Comment est-ce que vous appréciez ce progrès? Comme il a dit, ça peut être mieux, mais il y a pas mal. Compte tenu de ce que les psychologues appellent le style de nous avons nos habitudes et nos habitudes. Et normalement, les gens, ils préfèrent voir le produit avant de le payer. Mais j'ai envie de demander, mais quel est le taux de loyauté de ces clients? Est-ce qu'il n'y en a pas un certain nombre qui, lorsqu'ils ont le taux de produit, cherchent quand même le bouton à 5 pattes pour envoyer la marchandise? Bizarrement, non. Ah, bizarrement, non. De plus en plus, on a des clients qui reviennent de plus en plus. Ils commandent une fois, ils vérifient, ça marche, et ils commandent le temps. Et on a un taux d'immigration qui commence à se faire, les clients qui arrivent devant, on se sent payé par. Comme normalement. Mais bon, en ligne, ça se fait lentement. Ouais. Aujourd'hui, le constat, c'est que
pour l'instant, culturellement parlant, on est très attaqué au paiement de la livraison. Ce qui est pour moi un modèle en Guinée africaine, on adapte dans plusieurs pays, Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, en Égypte, et qui m'a fait tout dire. Donc, moi, c'est une fin, c'est qu'au départ, on se dit, est-ce que culturellement, les gens ne vont pas commander, annuler? Oui, il y a un pourcentage de comment ils font les livraisons de culture dans la majorité. Et qu'est-ce qui explique alors que certains soient morts au bout d'un an pour vous dire? Après, je dirais que pour moi, c'est beaucoup plus de l'adaptation. Chacun son modèle, à son business model, même un modèle qui est très adapté au marché. On a eu adapté énormément d'événements à la société. On n'a pas du Black Friday. En fin d'année, qu'il y a un événement qui plus que nous. En fin d'année, c'est la grande braderie. On peut acheter un instrument pour la musique. Justement, on peut. Bah, on évoque justement les... Les emprunts, vous avez évoqué les emprunts qui parlent de e-commerce par Internet. Or, malheureusement, dans le contexte africain, les censures sont plutôt fréquentes. Le Cameroun en a connu, le Gabon également en a connu, le Togo, la République centrafricaine et même la République démocratique du Congo tout récemment lors des élections. Lors des troubles, d'après vous, la censure Internet, Olivier Madiba, est-ce que c'est une nécessité ou c'est un impératif? Non, j'ai eu un sourire en pensant à des amis sur Twitter. Ils vont regarder cette question avec beaucoup d'attention. Alors, disons qu'on a une censure africaine qui est très politique, déjà. Parce que la censure, par exemple, en Chine, elle est une idéologie. C'est-à-dire, on ne veut même pas que vous regardiez du contenu. C'est un problème de contenu. C'est-à-dire, ils veulent même pas que vous regardiez du contenu américain, etc. Nous, en général, elle arrive lorsque les gouvernants ne veulent pas une certaine transparence dans une certaine zone, pour certaines raisons. Alors, est-ce qu'elle est nécessaire? Personnellement, je ne la soutiens pas du tout. C'est-à-dire, en tant que citoyen d'affaires et par solidarité pour ce que, par exemple, nos confrères de start-upers de Bouillon ont vécu et continuent de vivre, parce que c'était un des bourgeons tech que le Cameroun a perdu et peut-être en train de perdre. C'est quelque chose qu'on ne soutient pas. Maintenant, on a souvent des décisions, des discussions en se disant, est-ce que si on était homme d'État, vu les risques de dérapage pour finir à la Libye, par exemple, avec ce que ça peut avoir comme désinformation et autres, est-ce que c'est des décisions qu'on ne prendrait pas? J'avoue ne pas avoir de réponse figée là-dessus, mais j'estime que ça devrait être extrêmement limité comme moyen et surtout si même ça doit être pris pour des raisons politiques de soi-disant sécurité nationale, c'est toujours ce qu'on évoque, il faudrait mettre en place des palliatifs pour que l'écosystème économique qui en dépend ne souffre pas. C'est-à-dire, d'accord, vous voulez pas que des rebelles puissent communiquer sur de façon, on va dire, pour déranger la sécurité nationale, on est d'accord, mais assurez-vous peut-être de fournir Internet dans les lieux où les startups sont passées, sont pas souvent très éloignées, pour qu'elles au moins n'en pâtissent pas. Ça ne coûtait rien, par exemple. Ça aurait montré une forme de bonne foi. Oui, effectivement, on appelle l'expérience client. On peut considérer que les start-upers sont des clients de la douane camerounaise. Moi, je pense que même africaine, j'ai fait un petit séjour à Boya pendant l'année dernière. Plusieurs séjours à Boya. Et effectivement, trois start-upers, je me mets vraiment à la place de ces jeunes. Parce que dans toutes les causeries que j'ai eues avec tous les start-upers, je leur posais toujours une question. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez parlé de gens. Et dans ce qu'ils nous ont fait, c'est que quand on nous coupe Internet, nous sommes obligés de prendre la route pour aller à Douala. Dormir à l'hôtel à Douala. C'est pour ceux qui ont un peu de moyens ou de la famille à Douala. Ou bien nous sommes obligés de partir de Boya la nuit pour aller envoyer nos données. Dès qu'on arrive à Bekoko, on a accès à Internet. Donc, mais vraiment, vous voyez le climat, quand on va à Douala, on revient ici, ces changements thermiques là ne sont pas bons pour nous. Et donc, quand on est au lieu de Douala, ça ne coûte absolument rien. Et pour qu'on le fasse, il aurait fallu aller les écouter. Et en marketing, on dit communiquer, c'est écouter et faire des propositions d'ajustement. Nous avons besoin d'Internet, nous ne sommes pas des rebelles, ça ne nous intéresse même pas, parce que nous, notre client est à Singapour, il est à Cape Town, il est à Washington, nous aurons besoin d'Internet. Tant que nous n'avons pas Internet, c'est un peu comme si le corps n'avait pas de sang.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Assurez-vous que dans un endroit circonscrit, nous ne serons pas obligés de partir de Boya. Voilà où vous devez la moindre chose. Mettez-nous à un endroit où nous pourrons avoir Internet. Et effectivement, ils ne sont pas Boya, ce n'est pas Douala ou Yaoundé. Et on peut très bien circonscrire l'accès Internet. Et même si on pense que dans certains appartements, on peut avoir des rebelles cachés, discuter et les amener dans un camp ou dans une entreprise et leur dire voilà, vous avez accès à Internet, vous pouvez venir travailler et on pourrait encore mieux les contrôler dans ce cas-là. Mais ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est une erreur. Il y a la sécurité, effectivement, nationale, qui est au-dessus de tout. Mais là, cette sécurité-là ne veut pas dire qu'on va empêcher les jeunes de se développer. Il y en a qui ont fait faillite. Il y en a beaucoup qui sont partis du Cameroun. Alors, ils n'avaient pas ça dans leur projet. Et je crois que si jamais ils ont une situation qui représentait, ils seraient bien. Je pense que ça soit dévalorisant pour qui que ce soit d'aller les rencontrer, de les convoquer, de discuter avec eux et de dire ok, vous allez faire des auto-défenses entre vous, faites-nous des propositions pour qu'on voit comment on peut vous aider tout en restant dans notre logique de garder. Je vous propose peut-être de marquer une toute petite pause, juste le temps d'une transition pour aborder la deuxième thématique de ce soir et on parlera de l'entrepreneuriat en matière de PIX. De retour donc sur ce plateau, nous entamons la deuxième thématique de ce soir, l'entrepreneuriat en matière de PIX. Je vais commencer avec vous, Monsieur Koné de Wobonan. Est-ce qu'on peut dire, au vu des performances des autres continents, je parle notamment de l'Asie, je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique, que l'Afrique aujourd'hui innove assez? Innove, oui, clairement. L'égalité, l'innovation, on le fait de la place. On se bat chaque jour pour aller de l'avant, créer de la valeur, continuer des choses nouvelles. Assez, je dirais, non. Je pense qu'on a une vraie passion de création de vie pour nous. Et encore sur l'exploitation. On parlait tout à l'heure de la Silicon Valley à Boya. On a des très bons payeurs, on va dire, on dira également. Donc, aujourd'hui, avec l'essor, on va dire, d'intérêt des pays, on va de plus en plus être considéré comme une approche qui innove et qui innove vraiment sur le marché de tous les marchés. Je prends un cas un peu important que on va dire l'Africain de base à la thématique pour remplir. C'est une petite thématique qui nous motive. Donc, le paradigme, c'est que, nativement, qu'on a des problématiques de vie quotidienne, on est à plus de points à innover encore plus, encore plus grandement. D'où le fait que je mets des guillemets au niveau du notre assez. Et c'est que, vu des problématiques qu'on doit résoudre de vie, on a encore une grande marge de manœuvre, c'est-à-dire, à combler. Le vie finit par. Avec ça, je pense que c'est un camionnet qui a fait 10 montées. En fait, il a fait une application qui informe les femmes. Oui, Giptenmon. Voilà, qui informe les dames, elles ont des rendez-vous de l'hôpital. Par exemple, moi, c'est une innovation qui répond à un besoin qu'on a au quotidien. Je pense que de plus en plus, on va avoir émergé des idées, des startups, qui vont venir de combler des problématiques qu'on a au quotidien. Et qui vont directement nous mettre une petite innovation. Monsieur Payan, la PINO n'était pas assez. Pas à cause des innovateurs ou des acteurs. Ils ne sont pas exigeants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec eux. Le jeune homme, un start-upper qui est à l'OMI et qui a obtenu un rendez-vous, par exemple, à Yaoundé, pour vous faire une commande. Aujourd'hui à 16h, et que pour des raisons indépendantes de la volonté, soit du ministre ou du DG, il lui dit vraiment est-ce qu'on peut remettre ça à demain. Parce que ça porte qu'il n'y a personne qui peut habiter à Yaoundé, qui n'a pas d'argent pour habiter à un hôtel, et dormir à la gare. Voyez-vous, pour attendre le lendemain. Et il viendra le lendemain, pas forcément frais, pas forcément en forme, il ne va pas vendre son truc. Il a beau avoir son PowerPoint avec tout le tremblement, il ne saura pas le faire. C'est-à-dire que, mais ils ont besoin d'un minimum dans le cas de fondamental, quoi. Mais quand
d'amorçage, ça ne veut pas dire qu'on leur sort de l'argent. Le fonds d'amorçage, c'est qu'on leur trouve une possibilité, on leur donne un crédit de... Allez, on vous donne 10 unités sur l'année, vous la consommez comme vous voulez, on vous donne 10 trajets Lomé et Yaoundé. Des minutes de publicité télé, par exemple. Des minutes de publicité internet. Je connais une dame qui a eu mis en place une application qui était parmi les starters que nous avions invité lors de notre saga en Europe. Allô maman travail. Eh bien, cette jeune dame est arrivée avec 2 heures de retard. Mon femme l'attendait, elle était une des rares qui était en retard parce qu'elle a couru dans une entreprise que je ne connais pas, je ne parle pas de la compétition, pour obtenir une connexion viable pour pouvoir faire ses démonstrations pendant les 3 jours de la saga. Voyez-vous, si elle avait tant de moyens que ça, et franchement, on peut aider ces jeunes-là, voyez-vous. Mais quand vous regardez le nombre de 4-9, vous savez ce que je veux dire. Le nombre de 4-9 qu'on distribue aux copains, aux amis, aux gens qu'on veut impressionner, on se dit, mais est-ce que si dans ma conscience, ordonnateur... C'est vrai qu'il y a des agences, on les sent de temps en temps quand elles organisent quelques séminaires, je sais pas. Les séminaires sont faits pour aider les consommateurs ou les entreprises qui investissent énormément dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, il est difficile de ne pas avoir d'informations quotidiennes où on se rend compte qu'il y a des braqueurs, des cyberbraqueurs qui, voyant un développement dans ce secteur-là, sont installés et en font tous les jours de l'argent. Et dans notre métier, on parle de dismarketing. Dismarketing au sens de discouraging marketing. C'est-à-dire que voilà une possibilité de développement extraordinaire. Il n'y a pas un oublié aujourd'hui qui vous demande pas d'être de le payer par OM ou par Momo. Et voilà qu'on... Orange Money, Orange Money, Momo, ou MTN Mobile Money. En fait, vous parlez des services Mobile Money. Tout à fait. Aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'on soit confronté à la peur des consommateurs qui n'oseraient pas utiliser cet excellent outil et dont on peut se rendre compte que, par exemple, au Kenya, où le M-Pesa représente plus de 60% du plus, 70%. Voilà, aujourd'hui, 70% du plus est commercial. On devrait, et moi, vraiment, je voudrais attirer, je le dis parce que l'année dernière, en fait, nous avons monté des universités consacré essentiellement à la cybercriminalité en disant que c'est l'enjeu crucial du développement du numérique en Afrique. Mais je n'ai pas l'impression que les dirigeants en sont émus. Et c'est très important de savoir que cette nouvelle économie va être appuyée dessus et il faut absolument que ce ne soit pas les entreprises qui vont se battre pour ça. Ce sont les États, ce sont les dirigeants qui doivent veiller à ce que ces bandits n'aient plus pas de cité. Monsieur Madiba, avant de vous relancer peut-être sur la question de la cybercriminalité, Monsieur Nana a évoqué le fait que les pays africains ne calculeraient pas assez si bien les modèles de réussite ailleurs, ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe, en Asie, et même en Amérique, pour implémenter ici chez nous, mais peut-être le propre président. Ah, les à la part, justement. Est-ce que vous pensez que ce constat est peut-être marre? Alors, c'est vrai, je suis complètement d'accord sur le principe du benchmark, tropicalisé des solutions, évidemment en faisant, bon, j'en ai bien la pensée de ce nana que je suis beaucoup. L'idée n'était évidemment pas de repeindre New York ici, mais d'inventer notre propre modèle de développement. Sur les TIC, par contre, en ce qui concerne c'est-à-dire le retard dans certains pays, le fait de ne pas faire de benchmark, c'est un axe. Mais ce que moi je peux surtout noter, c'est des éléments un peu comme ce que j'appelle avec les gars au studio souvent, le karma du retard sur les infrastructures électroniques. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas du Cameroun. Pendant des années ici, alors qu'on aurait pu mettre le téléphone filaire à tout le monde, on sait que notre entreprise nationale s'est dit, ah, il n'y a pas le feu. Et subitement, voilà Internet qui arrive. Et là où partout en Europe, par contre, les gens construisaient Internet en utilisant de l'infrastructure du téléphone. Ceux qui arrivent en Afrique ont dû littéralement perdre du temps pour inventer le système des antennes, relais. Donc, c'est un peu ce genre d'éléments qui font qu'on accumule des petits retards, mais qui, après,
on les paye cash. Un peu. Donc pour moi, c'est le plus gros élément qui génère un peu la disparité. Et ça vient effectivement de ce problème de benchmark, le fait que c'est comme si on n'apprend pas. Du fait que le fait de ne pas anticiper nous revient toujours dans le visage. Monsieur Nana a également évoqué l'aspect de la cybercriminalité qui pourrait peut-être freiner les élans et la progression des services numériques. Je crois par exemple en Côte d'Ivoire, le pays connaît une explosion avec une mauvaise étiquette, une mauvaise publicité là-bas pour le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on ne prend pas assez au sérieux cette menace? Moi, je pense que la menace commence à s'appliquer de nous. Le reste de la Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement a mis en place une cellule qui est l'homme numérique d'exister. Peut-être qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour avoir de l'envergure européenne, pour pouvoir vraiment passer en ligne, de data à veille. Au Cameroun, on commence à le faire. Ça met du niveau de la technologie, ça met des gaz pour éduquer les gens, peut-être qu'on prend un peu à la technologie qui existe. On fait également des opérateurs pour faire des technologies. Mais après, il faut qu'il pense que l'Europe, c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Comme tout secteur, comme tout le monde, c'est aussi également avec sa part de l'économie. On apprend mal. De plus en plus, c'est-à-dire, les grands acteurs du marché essaient de limiter les grands acteurs. On a encore du retard, mais je pense que le temps, on saura mal quelque chose, on peut plus mitiger ce problème. Une réaction, monsieur Je pense qu'il y a eu des. Je ne sais pas si pour une fois ça avait été anticipé, mais je crois que la campagne d'identification, normalement, ça aurait dû être un garde-fou. Normalement. Puisque l'idée de nous avoir tous fait aligner, c'était pour que plus personne n'ait des numéros de téléphone sans qu'on sache qui est qui. Donc c'est vrai qu'on est un peu étonné souvent quand on est arnaqué, quand on subit une arnaque de mobile money, qu'on n'arrive pas à dire qui a ce numéro. Donc, où est-ce que ces personnes prennent des numéros sans être identifiées? Vu que même moi, quand je veux encore acheter une puce, on me demande tout le temps la photo, la CNI, etc. Donc, c'est... Monsieur, justement, il évoque des aspects, des avancées. Le processus d'identification des numéros, c'est pour rendre... Sauf si les télécoms gardent la base de données, la police pour le service de sécurité. Tout est vraiment au cœur même du problème. Très pertinent parce que effectivement, moi il m'est arrivé de me voir supprimer une puce que j'utilise en général quand j'organise des événements. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois j'ai pas organisé d'événements, cette puce là ne m'appartient plus. Donc c'est très rigoureux. Comment expliquer donc que quelqu'un se fasse arnaquer par un individu qui a un numéro de téléphone et qui même répond parfois même à ce numéro de téléphone après? Je le dis parce qu'il y a 2 semaines, j'ai des collaborateurs qui se sont fait arnaquer. Et j'en suis un peu responsable parce que le monsieur s'était passé pour le sous-préfet d'un arrondissement de Douala et il m'a demandé de lui envoyer des gens. Ce que j'ai fait, je lui ai fait communiquer les numéros de ces personnes-là. Et pendant que ces personnes venaient à son bureau, il leur a demandé de s'arrêter dans une agence de transfert d'argent. Transfert de confiance. Pour lui envoyer de l'argent parce qu'il avait une urgence et il devait lui envoyer le chauffeur. Pour payer et beaucoup d'argent à ressortir de milieu. Et on utilise votre et elle c'est n'a pas d'argent. Elles n'ont pas d'argent sur elles. Elles arrivent quand même dans l'agence et font la transaction. Ce qui pose la question même de la formation et des process. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, vous venez demander de transférer moi 500 000 francs à tel numéro. On le fait sans lui demander au préalable de présenter votre argent. Et résultat de tout, c'est que le lendemain, quand on appelle la personne, il allait nous faire voir, etc. Donc ça veut dire que il faudrait que quelqu'un puisse répondre. Mm-hmm. Ça peut être la personne qui a identifié cette personne-là, c'est-à-dire qu'on peut être amené à porter plainte contre celui qui est censé avoir identifié un peu dans votre avion, qui nous fait agresser dans l'avion. Et on ne retrouve pas la personne qui est dans la radio alors qu'on connaît les procédures pour que quelqu'un ait une carte d'embarquement. Il faut arriver à ça parce que sinon, ce système-là va fragiliser considérablement ce dont c'est le fonds de commerce. Mmh. Et je pense que les médias, le service public, les médias capitaux privés peuvent jouer un rôle extraordinaire
en mettant en place une sorte d'alerte pour que chacun explique comment il a été. Moi, je reçois aujourd'hui un WhatsApp extraordinaire, c'est-à-dire que n'importe qui tomberait dans le panneau, mais parce que j'étais dans un groupe, j'ai reçu quelqu'un qui dit « Je suis l'opérateur X, on est en train de reformater des lignes, éteignez votre téléphone pendant 2 heures, ne l'ouvrez pas parce que vous risquez d'avoir des dommages, ne l'ouvrez pas. » Pendant ce temps-là, il appelle les numéros qui sont de votre répertoire et qui sont des gens proches, et notamment, il a appelé le père et la mère d'un garçon en disant « Je l'ai avec moi, il est kidnappé, envoyez-moi de l'argent. » Donc, ça a pris 2 heures de temps. En attendant, les parents étaient en panique. Lorsque ce jeune homme, par hasard, je ne sais pas pourquoi, il a ouvert son téléphone, il a vu qu'il avait reçu à peu près une trentaine de coups de fil en 30 minutes. Donc, vous voyez, des petites alertes comme celle-là, des micro-programmes, des capsules qui permettent au public d'être averti, peuvent être extraordinairement utiles parce que malheureusement, on a beaucoup de génies chez nous, mais malheureusement, c'est du génie du mal. Monsieur Kone, j'ai envie de vous demander, est-ce que donc les gouvernements africains ne prennent pas assez pour faire ce type de choses? Je pense que oui, peut-être pas suffisamment comme il faudrait. Maintenant, après, je reste un peu sur la ligne de télépart et de visage. On est juste plus donc, ça a été vécu en Europe une dizaine d'années, même si Danemark, on a fait des collaborateurs. Alors, c'est un environnement